Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Christelle Dutourya et j'ai le plaisir de vous présenter En attendant l'ère dorée, un programme dont le titre est inspiré par les quelques extraits que je vais vous lire tirés d'une œuvre d'une rare monumentalité, à savoir les contemplations de Victor Hugo. Dans la vie infinie, on monte et l'on s'élance, ou bien l'on tombe. Tout être doit être sa propre balance. Chercher la note humaine, aller dans les suprêmes symphonies des grands abîmes étoilés. En attendant l'heure dorée. Ce soir, j'ai le privilège de recevoir une personnalité dont le discours fait largement écho à ses pensées contemplatives, un grand œil ouvert sur le grand tout. Un homme au parcours atypique, s'attachant à informer le plus grand nombre d'une réalité censurée et restée inavouée depuis fort longtemps. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Il existe bel et bien d'autres formes de vie intelligentes et sensibles ailleurs. Il existe même des civilisations très avancées technologiquement et spirituellement. Oui, il est grand temps de lever le voile sur cette réalité et sur les grands changements en cours et à venir. Car 2013 est une année de transition, une frontière entre deux époques, à la fois pour notre planète et aussi pour l'homme, dont la conscience va s'élever à un degré supérieur, une véritable croissance dimensionnelle, après une longue période d'obscurité. Et nous laissons bien évidemment à l'appréciation de chacun d'entre vous l'ensemble des révélations que nous allons nous efforcer de développer au cours de la discussion qui va suivre. Mon invité est américain. Il s'agit de Tolek, porte-parole et représentant humain du Conseil d'Andromède, qui depuis plus d'un an a donné maintes interviews auprès de médias anglophones et a aussi réalisé plusieurs vidéos fort riches en informations. Depuis le mois de décembre 2012, il a entamé une série d'entretiens internationaux, tous menés dans la langue du pays concerné. Pour la toute première fois, il va donc s'adresser de façon exclusive à vous tous, à tous les Français, à tous les peuples francophones à travers le monde, grâce à l'aide précieuse de Rémi, qui a très gentiment accepté de nous accompagner tout au long de cette interview, et va donc se charger de traduire les informations que Tolek aura à cœur de partager avec nous. Cher Rémi, bonsoir et bienvenue. Je suis ravie que vous ayez pu vous joindre à nous et je vous remercie pour votre aimable collaboration. Bonsoir Christelle, merci beaucoup. Je suis très honoré de participer à ce programme. Merci à vous, j'en suis très heureuse. À présent, j'accueille très chaleureusement celui que beaucoup d'entre vous sont très impatients d'écouter. Tolek, bienvenue. C'est un grand plaisir et aussi un honneur de pouvoir vous interviewer. Permettez-moi de vous remercier très sincèrement pour cette formidable opportunité que vous m'offrez. Alors, merci Christelle. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va très Bonsoir. bien. Et vous? Ah, très bien, merci. Bonsoir Rémi, comment ça va? Bonsoir, bonsoir Tolek. Très bien, vous, merci. Ah, merci. Ah, bonsoir à vous tous, chers amis francophones. Je suis très honoré d'être parmi vous et de participer à ce programme. Un grand merci. Quel français, Tolek, bravo, well done. Tolek, please listen in French. Vous êtes absolument fantastique. Ah, merci. Pour celles et ceux qui découvrent Tolek et souhaitent connaître davantage son parcours et le Conseil d'Andromède, Rémi et moi-même allons vous lire une présentation qu'il a eu l'amabilité de nous transmettre. Tolek est un représentant humain du Conseil d'Andromède, qui est une organisation ayant pour finalité d'assurer la gouvernance et le développement intergalactique et interstellaire de systèmes solaires et de planètes de nature bienveillante. Il s'agit de mondes se trouvant à la fois au sein de la Voie lactée, c'est-à-dire notre galaxie, et au sein de la galaxie d'Andromède. Ce conseil, présidé par un membre de la galaxie d'Andromède, est composé de 12 hauts responsables représentant des races bien distinctes. Ce sont donc 12 mondes différents qui siègent au sein de cet organe.
Notez que le membre le plus éminent est issu du système solaire Arcturus, auquel il faut également inclure en tant que membre fondateur ayant fourni une assistance toute particulière au fil des années, le peuple de la planète d'à côté, du système Tegeth, situé dans la constellation des Pléiades. Par conséquent, le peuple d'Arcturus, planète Pitola, et le peuple de Tegeth, planète d'à côté, ont tous deux fortement contribué à l'organisation structurelle de ce conseil depuis de nombreuses années. Le conseil en lui-même est composé de personnes de type 3D, de troisième dimension, tout comme nous, les êtres humains de la Terre. Mais une grande partie de ces personnes sont de quatrième, cinquième, voire pour certaines de sixième dimension. À l'échelle intergalactique et interstellaire, le Conseil d'Andromède pourrait un peu être comparé à notre organisation des Nations Unies. Les cinq personnes avec lesquelles notre invité communique l'ont appelé Tolek, qui est tout simplement un nom d'emprunt professionnel donné à un personnage public. Ces cinq personnes sont en poste sur la biosphère principale du Conseil d'Andromède, où se tiennent beaucoup de ces réunions. Et donc c'est au cours de l'année 1993 que Tolek a été contacté physiquement pour la toute première fois par son interlocuteur du Conseil d'Andromède, qui est donc un commandant originaire de la planète d'à côté, et qu'il a invité à bord d'un vaisseau pour effectuer trois voyages dans le temps, des voyages séparés mais étroitement liés. Et donc ils ont remonté le temps jusque dans les années 1840 et ont atteint une zone rurale du Kentucky, ou de West Virginia, d'ouest de la Virginie, aux États-Unis, pour observer une famille de quatre personnes dans leur lutte quotidienne. Les contacts de Tolek au sein du Conseil d'Andromède lui ont indiqué qu'ils sont en liaison avec lui, reliés à lui par divers procédés depuis l'âge de 5 ans. Suite à son expérience de voyage temporel en 93, ces rencontres, ces contacts physiques ont pris fin. Jusqu'à ce que ce même commandant du Conseil d'Andromède le contacte de nouveau en septembre 2010. Tolek dit que cette communication avec les personnes du Conseil d'Andromède s'établit via différentes modalités que je vais vous énumérer. 1. La télépathie. 2. La communication peut se faire aussi pendant le cycle onirique, c'est-à-dire les rêves. 3. Des visions peuvent également surgir à la fois pendant le rêve, lorsqu'il est éveillé, pleinement conscient, par flash. Parfois, donc quatrième mode, parfois par le biais de l'écriture automatique. Et cinquième point, le voyage interdimensionnel de l'essence de l'âme, son esprit, vers la biosphère principale du Conseil d'Andromède où se tiennent de nombreuses réunions du Conseil, donc, et des sous-comités du Conseil. Avant de commencer l'interview, j'ai une annonce importante à faire. Il y a quelques heures, Tolek m'a transmis à la demande de Tania Piquet, vice-présidente du Conseil d'Andromède, un message très spécial qui vous est destiné. Une lettre à l'attention du peuple de France. Je suis très émue car cette lettre est un grand témoignage d'affection, de considération, de soutien et de respect envers les Français et tous les autres peuples de la Terre. Elle apporte un immense espoir en cette période de changement. Et donc, nous vous lirons cette lettre à la fin de l'interview. Tolek, commençons à présent notre discussion. Remontons le temps à notre façon et abordons votre tout premier contact avec le Conseil d'Andromède. Tel que mentionné dans la biographie que Rémi et moi-même venons de lire, racontez-nous comment votre contact avec les gens du Conseil d'Andromède a commencé. Vous m'avez dit que vous aviez effectué quelques voyages avec l'un d'entre eux à bord d'un vaisseau d'exploration à la fin de l'année 1993. Okay, so Tolek, let's now start about our discussion. So let's go back in time and in our own way by tackling your first contact with the Andromedan Council as mentioned in your biography. So could you tell us about your contact with the people of the Andromedan Council? So you told us that you took trips with one of them in their spaceships in the late summer of 1993. Could you develop on that, please? Oui, yes, of course. That is correct. The first memory that I have, conscious memory of a physical contact experience,
happened in the late summer of 1993. Ok, alors mes premiers contacts, mes premiers souvenirs conscients d'un contact sont passés en 1993. It was late at night. I was deep in sleep. It was about 3:30, quarter four in the morning. Alors c'était tard dans la nuit, à peu près vers entre 3h et 4h du matin. And I was awakened. I woke up hearing a man speak to me. One way to say this, it was from his mind to my mind. In modern thought, they would call this telepathy. Alors j'étais réveillé dans la nuit en fait par la voix d'un homme qui me disait de me réveiller et c'était vraiment une communication d'esprit à esprit, ce qu'on appellerait plus communément aujourd'hui la télépathie. Oui, certainement. And essentially, first of all, I recognized at some level, I recognized his voice. I think it's important to say that before I continue the story. Ok, en fait, sa voix lui parut familière et c'était important de le préciser avant de continuer. Il avait vraiment l'impression de connaître cette voix. Oui, merci. Essentially, what he did was provide me with instructions to get up, get dressed, get in my vehicle, and drive down the highway, head south on Interstate 10. To an area north of the San Javier Mission. Ok, donc en fait, il me donnait des instructions pour me lever, prendre ma voiture et conduire l'Interstate, donc la départementale américaine, jusqu'au nord, il me semble, Could you tell what region again? Sorry. Ah, sure. I live in southern Arizona. Donc, j'habite au sud de l'Arizona Sud. Oui, des États-Unis. And where did that voice tell you to drive to? No, it's a good question. He asked me to drive to one exit north of the San Javier Mission. It's an old Spanish mission that was established years ago. Ok, donc alors cette voix lui a donc dit de sortir de la départementale à la sortie de la mission de San Javier en fait. Yeah, and he gave me directions to take the exit before the mission and then take the first dirt road to the right that I would see. Ok, donc cette voix lui a dit donc de prendre la sortie avant la mission Saint Javier et de prendre la première rue à droite, en fait le premier chemin de terre à droite. Yeah, I was able to drive on. Yes, this is desert, but I was able to drive on this road because at that time I owned a four-wheel drive off-road vehicle, comment dit-on, Ford Bronco. Ford Bronco 4x4. Un 4x4, voilà. Donc, ouais. Ok, c'était le désert, mais il a réussi à prendre cette route parce qu'il était en 4x4 et donc ça roulait bien. Right. So I followed this dirt road 1200, 1400 feet. I don't know the meters, but and I stopped the vehicle. Ok. Alors, was that 1400? Yes, approximately. Ok, donc 14 000 feet, disons qu'il a conduit sur cette route-là environ 14 000 feet et de s'arrêter. C'est ce que lui a dicté la voix. Right, and this is in the desert. This area happens to be a very green desert, but even with all of the growth, the trees, Palo Verde and Mesquite. Palo Verde? Even with all of the brushes, okay. The trees, Palo Verde trees, mesquite trees. Ok, donc en fait cette partie-là du désert est quand même assez. Il y a une certaine végétation, comme des mesquites. Je saurais pas traduire. Des mesquites. Ouais, mesquites, ok. Mesquites et Palo Verde. Et des Palo Verde. Ouais. I could see. His ship, he had a round shaped craft, again in American terms, feet 35 feet in diameter.
Alors, malgré la végétation, il a pu voir un vaisseau donc qui faisait environ 35 feet de circonférence. So 10 à 11, pied, on va 10 dire. à 11 mètres, je pense. 10 à 11 mètres. Oui, à peu près. Merci. So I stopped the vehicle, got outside, and I saw a tall man standing in front of the craft, and I waved to him. Alors, j'ai arrêté le véhicule et j'en suis sorti et j'ai vu cet homme très très grand et très très mince en fait, et je lui ai fait un signe de la main. And I was very excited because for some reason I recognized his face. Alors, j'étais très très excité en fait à l'idée de le voir parce que d'une certaine façon je reconnaissais son visage. So I said, "Allô, allô, comment ça va?" Voilà. J'ai dit bonjour. Allô, allô, comment ça va? Ouais. And I was excited because again I recognized him. I did not know why, but he said, "Come on, vite! You must hurry up because it was now about 4:30 in the morning, and it was starting to become daylight." He said, "Come on, vite! You must hurry." Il dit, et en fait, il était très excité à l'idée de le voir. Il avait vraiment l'impression de le connaître. Et cet homme-là lui a dit, "Allez, viens, vite, vite." Oui. Was that with the mind always? Yes, with the mind. The voice. Oui, yeah. Et donc, Patty lui a dit, "Viens, vite, vite." Parce qu'il était environ 4h15, 4h30 du matin, et le jour commençait à poindre. Parce que le soleil, the sun was rising, and even though I was in the desert, we weren't that far from the highway, so people could see his craft. So like, Oui. Yeah, of course. Yeah. Puisque en fait le jour commençait à se lever et n'importe qui aurait pu voir ce vaisseau spatial. So he said, "Come on, allez, we have to go." Oui, il a dit, il faut, dépêchons-nous, allez, on doit y aller. Oui. So, I walked over to him, he put his hand on my back, and he said, "It's good to see you, come, we will take a trip." Alors, je me suis rapproché de lui, il a mis sa main, en fait, sur mon dos, et il a dit, ça fait plaisir de te voir, viens, nous allons faire un voyage. C'est important. I had to take a petite blue pill to raise my vibration from 3-dimension to 4-dimension, because in order to travel through time, you have to be at least 4th-dimension vibration. Comme ça? Ouais. Yeah. So he. Alors il m'a dit de prendre une pilule. What was the color of the pill? Blue, azur. Oui. Voilà. Oui. Une pilule bleue, en fait, puisque pour voyager dans le temps, apparemment, il faut augmenter sa fréquence vibrationnelle de 3e densité à 4e densité. Donc on devait prendre la pilule pour voyager dans le temps. Oui. And rather than tell you about all three trips, it is easier for me to give the summary. Donc, plutôt que de parler de chacun de ces trois voyages dans le temps, je préfère vous faire un résumé. Right. So, I took the same kind of trip 3 times within about a week and a half period. Alors, j'ai fait des voyages temporels espacés d'environ une semaine et demie chacune. Yep. And each time we flew back in time to the time period of the 1840s to what was rural Kentucky, rural West Virginia. This is the area that we visited. OK, donc à chaque fois que nous sommes revenus dans le temps, nous sommes revenus environ dans les années 1840 environ, et toujours dans la région du Kentucky Sud, dans une zone très rurale. And, West Virginia aussi, oui. À l'ouest de la Virginie. And à l'intérieur de the craft, from inside, we watched a family of four people living on a farm. Ok. Et dans ce vaisseau, nous observions la vie d'une famille paysanne. Yeah, depuis l'intérieur de ce vaisseau, de 4 personnes, c'est une famille de 4.
Tolek, Oui. a question. Pourquoi vous a-t-il emmené pour vous montrer cette scène de vie quotidienne? Pourquoi était-ce si important pour lui d'observer, surtout de vous faire assister au quotidien de cette famille? So Tolik, why was it important for them, for your visitor to show you this rural scene of this family at that time? Why was it so important for him? Yeah, this is a good question. Go ahead. I'll let you translate. Ça, c'est une bonne question à poser, justement. Oui. This question is actually the key to my whole experience. En fait, cela est vraiment la clé pour comprendre la raison de ce voyage temporel. Oui, oui. During the third trip, there was a, of course, it's a farm. So on this farm, many buildings, including a barn where they stored the hay. Alors, en fait, à la troisième, il y a un détail. En fait, c'est que dans cette ferme, il y avait une étable, et où se trouvait la paille, où on entreposait la paille. And there was a barn. The barn caught on fire. The daughter, the family of four, father, mother, a son about 10 years old, and a daughter about 3 or 4. And in that third trip, the barn caught fire. The daughter died from smoke inhalation in the barn. Durant le troisième voyage, Tolek et donc son visiteur ont assisté en fait à un incendie qui a lieu dans cette étable, et donc la fille de 3-4 ans et le fils aîné. Donc il y avait un fils et une fille, et la fille, donc la plus jeune, est morte d'asphyxie durant cet incendie. OK. Et ici, pour l'importance of this experience, they, as fourth dimensional people, they live for thousands of years, and they do not have an organic body. They have a body of spiritual matter, higher vibration. They don't die. Tu comprends? Ce qui est important de préciser, c'est que le visiteur qui était avec Tolek vit en quatrième densité. Ils n'ont pas un corps organique comme les nôtres. Ils vivent à une fréquence vibrationnelle, donc un plan d'existence qui est supérieur à la nôtre et qui n'est pas organique comme la nôtre. Et ils peuvent vivre très longtemps, comme des milliers d'années, 1000 ans. And especially for this man, who I later learned is the commander, the man in charge of the primary Andromeda Council biosphere. Et donc, ce qui est plus important de souligner ici, c'est que cet homme-là, j'apprendrai à le connaître plus tard, se trouve être en fait le général en chef du premier bataillon de la biosphère du principal du Conseil d'Andromède. Oui, he had never lived a three-dimensional organic life, and for him, this was the easiest way to observe me, to watch my reactions and responses, so that he, as a fourth dimensional person, could better... Vos émotions, Tolek? Excusez-moi, Christelle, on va laisser Christelle... Excusez-moi, Christelle, on va laisser Tolek terminer. Sorry, so you were saying his emotion, he was willing to live your emotions, is that right? Observe. Observe. Okay. Watch my emotions, watch my responses, so that he and any and all people, especially of the Andromeda Council, because they have quatrième, cinquième, they have fourth dimension, five dimension, six dimension people, they don't experience death. Tu comprends? Okay. Yeah. Let me translate that. Sure. Merci. Alors en fait, cet homme, le général en chef, qu'il apprendra à connaître plus tard, il est important de souligner qu'il n'avait jamais vécu de vie organique en troisième densité. C'était donc
quelque chose qu'il n'avait pas vécu. Et donc, il a observé les émotions de Tolek et essayé de les comprendre parce que la vie humaine et, entre autres, les émotions étaient quelque chose qui ne lui était pas familière et que, pour la plupart des êtres qui composent ce conseil d'Andromède, il existe des gens qui vivent en quatrième, cinquième et sixième densité. Mais ce qui est important de dire une fois de plus, c'est que ces gens-là, en fait, ne vivent pas une mort organique, en fait, ne meurent pas. Oui, that's true. And therefore, however we describe, because we on Earth live with time, he knew, they knew, even back in 1993, that things were going to happen in the future. And in order for them to better understand us, they need to better understand the depth and breadth of our emotions, including how and why we respond to human death. Alors, en fait, ces êtres appartenant au conseil d'Andromède, comme ils sont en quatrième densité, pour eux, le temps n'existe pas. Le concept de temps qu'on a, nous, dans la densité organique, n'existe pas pour eux. Et ils sont plus conscients du passé et du futur et ont une sorte de don de clairvoyance de voir le futur. Ils savaient des choses allaient se passer dans le futur. Et donc, pour comprendre un petit peu ce que nous voyons comme futur et comprendre surtout des concepts comme la mort, ils avaient besoin de cette expérience. Right, and because they understand that I am at least somewhat of a sensitive man, by observing me, they would have some better understanding of how much of the human race would experience death, grief, sadness at the loss of a family member. Et comme cet homme semblait savoir que Tolek, comme de nombreux humains, a une certaine sensibilité envers ces choses, il était sûr qu'il pourrait vivre à travers lui des expériences comme la tristesse et la perte d'un être cher et toutes ces émotions qui vont avec. This is the whole reason why. This is why it was important. Et ça, c'est véritablement la raison pour laquelle cette expérience était importante à la fois pour Tolek et pour cet être. Yeah. That's the best explanation that I can give for that total experience in 1993. And he actually offered. He gave me an opportunity to stay with them in spirit form and be a guide for the family, if I wanted to. Okay, for that family, especially? Or yes, for that. For that family, specifically. Okay. Yeah. Okay, wait, he asked you if you could remain in a spirit form just to give guidance to that family in the past. That's correct. He said, if you want to, I will give you this opportunity. This was at the end of the third trip. After this whole experience happened, he said, if you want to, you have the option to stay in spirit form and help this family. It's your option. Or you go back. Okay. Donc, cet homme-là donc lui a donné l'opportunité, donc cet être le général en chef, a donné l'opportunité à Tolek de rester en quatrième densité sous forme d'esprit, en fait, pour être une sorte de guide spirituel pour cette famille et les apaiser, ou l'autre choix étant de revenir dans le présent, dans son présent. Ouais. Yeah. And so, what did you choose? Ah, well, I'm here. I'm back. Pretty obvious question. Yeah, I came back. I must have known at some level that there was yet more for me to experience, that there were more important things for me to do in life. Keep in mind, this is 1993. This is 20 years ago. Okay. Donc, bien évidemment, comme il est ici, on se doute bien qu'il est revenu. En fait, il a fait le choix de revenir dans le présent, puisqu'il ressentait qu'il avait, il lui restait encore beaucoup de choses à accomplir. Et
est important de souligner quand même que qu'on était en 93, donc c'était il y a 20 ans. Yeah. Ouais. Alors, so you told about two experiences. Tolek, vous nous avez parlé de deux expériences, en fait, une en 93 et une deuxième en 1994. Toujours sous forme physique. So Tolik, you told us about two experiences. One, the one in 93 being the three time travels, and the one in 94, always in physical form. Could you tell us about that? Well, okay, thank you. Merci. Actually, it is important to point out that I think the best way to start with this this piece is to let you know that they, in fact, were different. And you translate, and I'll tell people how they were different. Okay. Donc, là encore, on met une emphase sur l'expérience de 1993, qui était les voyages dans le temps, et l'expérience que Tolek va nous raconter, qui a eu lieu en 94. Ces expériences-là étaient vraiment de nature différente. Okay. They were, c'est la même chose, in that both experiences were I was involved in meeting with people and talking to people who are part of the Andromeda Council. That is the piece that is consistent. Le seul point de similitude, c'était que Tolek se retrouvait avec des êtres qui appartenaient au Conseil d'Andromède et a parlé avec eux. And what is different is that the second experience in 1994. Non, ce qui est différent, c'est que dans la seconde expérience en 94. Though I was also sleeping late at night, 3:30, quarter four in the morning. Même si ça se passait à peu près à la même heure, entre 3h et 4h du matin, et j'étais en train de dormir. In the second experience of 1994, this time, comment dit-on, they call this, it was, they call it, today they call it an out-of-body experience, and I will explain. Ok, ce qui était différent dans ce cas, c'était qu'il s'agissait de ce qu'on pourrait appeler un voyage astral, en fait, une sortie du corps. Yeah, and this is actually a good moment in this conversation for me to, for just a small moment, explain the difference, explain the totality of the human being, and I will explain. Okay. Alors en fait, là, c'est une bonne occasion pour expliquer un petit peu la globalité du fonctionnement de l'être humain sur différents plans. Et je profite de cette occasion pour le faire. Right. Human beings are more than what we see. You know, each of us see an organic, what seems to be a solid body form. A man, a woman, a girl, a boy. We are more than just the organic body. L'être humain est plus que ce que l'œil voit, en fait. Nous sommes constitués de... Sorry, can you come again? sure, of course. We are much more than an organic body. You know, the thing that the body, the thing that people see. People see a man, a woman, a boy, a girl. But in truth, we are far greater than what people see. Comme ça? Yes. Yeah, very good. Okay. Simplement, nous sommes beaucoup plus que ce qu'on peut voir avec l'œil, juste notre corporalité organique. On peut voir un homme, une femme, un enfant, l'intégralité de l'être humain est beaucoup plus que ça. Yeah, in fact, et plus important, what is even more important is that we are first and foremost a soul, an electrical energy form, a soul. Le plus important, c'est que nous sommes avant tout esprit, ou ce qu'on peut appeler l'âme, en quelque sorte, une sorte de forme énergétique électrique. Oui. Électrique, en quelque sorte. Oui, oui, oui. Qui a une existence propre. Une autre expression, fine, higher frequency, fine matter essence.
Une autre expression pourrait être une entité de matière subtile à haute fréquence vibratoire. Right. And with that as a basis for explanation, that is the part of me, my soul, my fine matter essence, that experienced the 1994 meeting. Et donc, c'est vraiment cette partie-là de moi, cette essence de matière subtile à haute fréquence vibratoire, c'est celle-là, en fait, qui a vécu cette expérience de 1994. Right. And therefore, I will keep the story of the experience relatively short. Et voilà. Et je vais vous expliquer de manière très résumée cette expérience. Right. My fourth dimensional spirit had created a 3D body, and I was part of a tour group of 12, 14 people on a very large Andromeda Council craft that was touring southern Arizona. To comply? Yeah. Yes. Okay. Before that, let me ask you a question. Sure. Avant de traduire, j'aimerais poser une question. Okay. You say that your fourth density essence manifested a third density organic body. Oui. In that, you talked about a craft. Was it inside that craft that it manifested? Yes. Oui. Ok. Yeah. Yeah. Donc en fait cette expérience-là s'est passée à bord d'un vaisseau dans lequel cette essence spirituelle de Tolek a manifesté ou rendu concrète un corps organique tel que nous le connaissons suite à une sortie du corps. And I was une personne a part of a group of dignitaries that was being given a tour on the ship. Ah yes. Je faisais donc partie dans ce voyage d'une sorte de voyage organisé qui était fait à des notables ou des personnes qui étaient importantes dans le conseil. Sorry, another question is: are these human? Well, I'll say they were human in a sense, but were they from Earth? These people? No. These were people from many different worlds. Il s'agissait de dignitaires qui venaient de plein de mondes différents au sein du conseil d'Andromède, j'imagine, et dont Tolek faisait partie à ce moment-là. Human de terre, but humanoid. Ah, ok, des humanoïdes. So were they humanoid in a sense? They could you elaborate? Yeah, very very simple. They would, in a broader sense, look human. You know, tête, head, eyes, nose, mouth, arms, legs, but of different heights, different sizes, different colors. Some had markings on their bodies. They were not human from Earth, but humanoid from other planets. Ok, donc il s'agissait d'être en fait de ce groupe de personnes qui étaient en visite. En quelque sorte, à qui on faisait une visite guidée du vaisseau. Il s'agissait d'être humanoïde, qui avait des caractéristiques proches d'un être humain, seulement qu'ils avaient des tailles, des corpulences, des hauteurs et des couleurs de peau différentes. Certains avaient des traces sur le corps, et donc ils ne ressemblaient pas stricto sensu à un humain de terre, mais étaient humanoïdes. And about halfway into the tour, a young officer, not a private, maybe an ensign, came up to the man giving the tour, who is the second in charge, and he said, "Sir, we have some real problems." À un moment donné dans le voyage, un opérateur, pas un soldat, mais vraiment un opérateur technique, est venu voir le commandant en charge et lui a dit, "Chef, nous avons un problème." Yeah, he said, in essence, he said, "We have a problem with the gyroscope in the basin of the ship. It keeps the balance, and it's broken. We can't fix it. We're going down." En fait, en gros, il a expliqué au commandant, donc cet opérateur, qu'il y avait un problème avec le système gyroscopique. Donc, disons que le système d'orientation, de direction, de qui
permettait de maintenir la stabilité du vaisseau, il dit nous avons un problème et nous allons nous écraser. Right. And of course the second in command looked at him and his eyes got very big and he said, is this true? Et donc bien évidemment, il s'agit pas du commandant mais de son second, son second le regarde avec des gros yeux, il dit mais c'est vrai? Oui, oui, exactement, he said c'est le vrai, oui. Et donc à l'opérateur de répondre oui, c'est vrai malheureusement. Ouais. So at that moment, the ship started to pitch forward, pitch downward, and it started to accelerate very fast. À ce moment-là, le vaisseau commençait à basculer vers l'avant, vers le bas, et on commençait à sentir une accélération croissante. Right. Now, keep in mind, this was a large ship. It had families on it. So I began to hear women and children running around, screaming, afraid. Il faut garder en mémoire qu'il s'agissait d'un vaisseau d'une taille considérable et qui transportait aussi des civils et des femmes et des enfants, et on pouvait entendre des femmes et des enfants crier et courir. Yeah. And at that moment, I came back into my body. And I jolted up. I don't know how to say it in French, but in a cold sweat, I knew that this reality was real, that this experience had just happened. Et à ce moment-là, en fait, c'est là que je me suis réveillé, que je suis sorti de mon expérience de hors du corps. Je me suis réveillé dans mon lit avec une sueur froide, j'ai su que cette expérience-là était tangible, était réelle. And I found myself sitting in bed. Wondering why I felt so sad. I felt sad and troubled. Et je me suis retrouvé dans mon lit, et je me posais la question, pourquoi est-ce que je suis si triste? Je suis complètement remué, et pourquoi est-ce que je suis aussi triste? Right. So, to speed up the story, I was still working full time in those days. I was an executive with a healthcare software company. So, later in the day, at 7:30 in the morning, I got up, got dressed, went to work, and I worked all day, like anybody else does. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette période-là, je travaillais encore, je travaillais à plein temps. J'étais cadre dans une grande compagnie d'assurance maladie, et donc je me suis levé le matin à 7h30 et je suis parti au travail comme tous les jours. And about 4:15, 4:20 p.m. in the afternoon, I picked up the telephone and called a good friend of mine. Et environ donc l'après-midi, ce jour-là, vers 16h30, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé un bon ami à moi. This man's name was Roger Cher. Donc le nom de cet ami était Roger Cher. Oui, and he was at that time, he was the vice president, second director for the state of Arizona MUFON organization. À cette époque-là, donc cet homme Roger Cher était le vice-président, j'imagine, de l'organisation MUFON. Rémi, nous allons justement peut-être oui. rappeler aux auditeurs ce qu'est le MUFON. Oui. Le MUFON, c'est donc, je pense que vous avez les noms. Voilà. Mutual UFO. Alors, donc, en fait, c'est le Mutual UFO Network. C'est en fait un organisme américain qui enquête sur les cas d'observation d'OVNI. Et en fait, il s'agit de l'un des plus anciens et plus importants organismes d'enquête sur ces phénomènes, justement, aux États-Unis. Exactement. Merci. Je vous laisse continuer. Merci bien. Ouais. Okay, so we called that man Roger Cher, who worked at the MUFON at the time. Right, and I explained. I called him. I told him my story. I explained all the details, and he listened very quietly. Alors j'ai appelé cet homme et bon, je lui ai raconté mon histoire. Je lui ai raconté tous les détails de ce qui est arrivé cette nuit-là, et il m'a écouté très silencieusement, sans rien dire. And after he finished listening, he said to me, how many people have you told this story to?
Et après que j'eus terminé mon récit, il s'est tué un instant et il m'a dit, à combien de personnes est-ce que tu as raconté cette histoire? And I, we were friends, so I said, Roger, you know me, you know, I take my job seriously, I work hard all day. This is my first personal phone call of the day. Et donc, je lui dis, Roger, tu me connais, tu me connais depuis le temps, je suis quelqu'un d'assez sérieux. Voilà, en fait, t'es la première personne que je contacte aujourd'hui parce que j'ai travaillé toute la journée. Oui, c'est vrai. So he said, you're sure, you're positive of this. Et il me demande, t'es vraiment certain de ce que tu dis là, de ce que tu racontes? Yes. And I said, absolutely, I'm sure, I've told no one else. Il m'a dit bien sûr, et je lui ai dit bien sûr, j'ai raconté à personne d'autre. And then he told me a story. Et là, lui, il m'a raconté une histoire. He said, about, I don't know, 2:30, 3 o'clock in the morning, something like this, but early morning hours, he was awoken. Someone woke him up with a telephone call. Alors il m'a raconté, voilà ce qu'il m'a raconté. Vers 2h30, cette nuit-là, quelqu'un l'a appelé et l'a réveillé dans son sommeil et lui a dit ce qui suit. It was specifically a MUFON field investigator. These people are supposed to track UFO sightings, UFO crashes, and this field investigator called him. With a report. Ok. Alors en fait, au bout du fil se trouvait un enquêteur du MUFON qui travaille pour lui. Et donc ces gens-là en fait font des investigations sur les observations d'OVNI. Et donc c'est cette personne-là qui l'appelle et lui dit. And this field investigator said, I want to tell you that he's talking to Roger. I want to tell you that. An ambulance, a number of ambulances was scrambled for a very important call out to the area of Reddington, R-E-D-D, Reddington Pass. I'll continue. Alors en fait, cet investigateur donc dit à Roger, lui dit, voilà en fait, on a un rapport de beaucoup d'ambulances qui ont été dépêchées sur place dans un endroit appelé le Reddington Pass. Oui, Was that in Arizona? Yes, southern Arizona. Oui. Emergency, very much. And this person told of this situation where a large extraterrestrial craft had crashed. And 125 lives were lost, were killed. Sorry, avant de traduire, j'ai une autre question. Sorry, Charlie, before translating, I have another question. Okay. So this field investigator heard a report about ambulances. And No, the field investigator was calling in the report to Roger about the knowing about the ambulances that were being scrambled. So how did he hear, or Roger, or the investigator, had whereabouts about the 125 victims and the crash? Was there any reports? The field investigator was part of a group of people. I don't know if this was a lead person. I don't know how he got his information, but he was providing the formal report to Roger, who is the second in charge in the state. Okay. Donc, on ne sait pas comment cet investigateur a obtenu ces informations, s'il faisait partie d'un groupe, s'il avait déjà fait des témoignages. Toujours est-il que dans le rapport qu'il a fourni à Roger cette nuit-là, il était mention d'à peu près 125 people. Oui. 125 victimes en fait de morts, d'où les ambulances et du crash d'un vaisseau extraterrestre à cet endroit-là. Oui, c'est vrai. And you know, just for the record, these kinds of situations do not get reported. They don't make the news. No.
Juste pour dire, habituellement, ce genre d'informations ne sont pas couverts par les médias. En tout cas aux États-Unis. In the United States. Anyway. Apart from the Roswell case. Well, it's, you know, when, à part le cas Roswell, bien entendu. Yeah. You know, when any time that a major crash of this type happens, there is always a cover-up. Always, always. Apparemment, dans ce genre de quand un événement majeur comme le crash d'un gros vaisseau extraterrestre, même de victimes de, disons-le, d'extraterrestres, survient, généralement il y a un plan pour couvrir l'information et qu'il n'y ait pas de fuite. And here's my summary. Though the second experience was with my spirit essence, my soul, both ships, both experiences, these were Andromeda Council people, both times. En résumé, même si ces deux expériences étaient différentes, il s'agissait vraiment de deux expériences qui étaient intimement liées avec le Conseil d'Andromède, puisqu'il s'agissait d'êtres qui venaient du Conseil d'Andromède. How did you know that these were Andromedan Council people whilst in the second experience when you were doing that tour? Because the commander of the man that I know today as the commander of the primary Andromeda Council biosphere, he was in that ship, and there were other faces and names that I recognized. Okay. Yeah. Alors, en fait, comment est-ce qu'il sait ça? Comment il sait que durant ces deuxièmes expériences, il s'agissait bien d'être du Conseil d'Andromède? C'est parce que le général en chef avec qui il a eu la... Was that the person you met at in the first experience, in the time travel experience? Oui, oui. Yes. Donc c'était le même général en chef avec qui il avait eu les voyages dans le temps. Il avait reconnu son visage dans le vaisseau. Il était à bord de ce vaisseau. Il y avait d'autres visages qui lui semblaient familiers. And I, these days, I am telling about both experiences because, in some way, one experience confirms the other. Same group of people, même chose. Alors présentement, en fait, j'aime bien présenter ces deux expériences puisqu'il y a une corrélation directe, ne serait-ce qu'entre les différents personnages. I have a question. So he did survive after the crash, and though there were many casualties, what happened to the people that could escape? Do you know? Yes. It's very much the same as why I am here today. This is actually a valid question. I'll wait for you to translate. Okay. Voilà, en fait, je lui ai posé la question de comment est-ce qu'il sait est-ce qu'il sait si ce général s'est échappé, a réussi à s'enfuir de ce crash, et donc lui me répond que c'est une question pertinente puisque il va tenter de répondre maintenant. Yeah. Well, the simple answer, I will do my best to keep this simple. The simple answer is that for people who are using their natural fourth dimension abilities to manifest a 3D organic person, they can simply make that 3D organic body dissipate. All done. Okay. All done. Okay. And yet the soul, the person, the fourth dimension essence is still intact, is still alive. Okay. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pour ces êtres-là qui sont en quatrième densité vibrationnelle, ils sont capables autant de manifester un corps organique de troisième densité que de le vaporiser, enfin de le faire disparaître. Donc, the casualties, they were only the dead bodies that they found were only the remains of immortal. Well, the right. souls that attached them weren't dead actually. Didn't die, but they just. that's the question. Right, exactly. That's the whole point. Yes, and that's. Exactement. Yeah. Yeah. So, je lui ai posé la question. Donc, du coup, les corps qu'on aurait retrouvés d'après l'investigateur
c'était juste des corps inanimés de ces êtres-là qui avaient juste quitté leur corps avant leur corps organique avant le crash, mais qui donc sont encore vivants en quatrième densité. Yeah. Et il me répond que oui, certainement. This could actually be a whole. I could teach a course on this subject, but this experience is a good way to explain to people how when the organic body dies, the human being, the core essence, the fine matter essence of the human being, at least up until this point in time, has reincarnation over, encore again. Ok, ce que Tolek explique, il dit qu'il pourrait donner un cours là-dessus, en fait, plus sérieusement, il s'agit d'un exemple très très concret, en fait, de ce qu'on peut appeler le fait qu'une âme quitte un corps après la mort. Donc l'âme, elle étant immortelle, il n'y a que le corps organique qui meurt. Et donc, de fait, ceci est un parfait exemple, puisque les êtres qui étaient dans ce crash ne sont pas morts, leur âme sont juste partis du corps avant le crash ou au moment de la mort du corps physique, et qu'on peut parler aussi de la même chose quand on parle de réincarnation. So you talk about reincarnation when yes I mean it is the best way to explain this, but this is the best example I can provide, and this is my summary. The death of the organic human is not the death of the person. Alors c'est le meilleur exemple pour dire que la mort du corps organique n'est pas la mort de l'âme, n'est pas la mort de l'essence d'une personne. Oui. Oui. That's okay. Yeah. Last question about this, because it's very interesting, and thank you so much to share all this information. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, mais j'ai encore une question. The question is, what is the difference, because these creatures, beings, humanoid or human, say human beings, are capable with their fine matter essence to manifest the body. How is that different from a human, terrestrial human that attaches in some way its soul to a fetus, a baby, I don't know, and leaves it afterwards? La question que je pose, c'est en quoi est-ce que le fait que des êtres humains, en fait, humanoïdes, qu'il a côtoyé, qui eux sont capables de matérialiser un corps physique, en quoi est-ce que c'est différent? Cette facilité qu'ils ont avec le corps organique, que nous qui naissons, qui sommes des âmes, qui nous attachons à des corps, à des fœtus, pour devenir un enfant, et qui quittons notre corps après notre mort. Right. Sorry, that was non, très bien. And please translate this as I say it as slowly as I'm going to say it. I honestly don't have the total answer, but I can tell you what I do know. Je n'ai pas la réponse définitive ou complète là-dessus, mais je vais essayer d'expliquer ce que je sais. Yeah. Par exemple, Monsieur Commander, he has never lived. Let me say this differently. He has never chosen to incarnate on a 3D world and have a 3D organic body. Never. Ok. Par exemple, monsieur le général en chef que je connais, lui ne s'est jamais incarné dans un corps de troisième densité, un corps physique. Right. Never. He has always lived his human experience, because when you look at him, you go, oh, tall, good looking guy, dark hair, human. He's always lived his human experience as a fourth dimensional human. En fait, ce général en chef n'a jamais vécu d'expérience en tant que être de troisième densité avec un corps organique, et pourtant on dirait pas comme ça quand on le voit. Plutôt grand, il a les cheveux bruns, noirs, ouais. et, euh,
plutôt beau gosse en fait, mais et pourtant c'est un être de quatrième densité. And in comparison, et en comparaison, oui, some people choose to have many learning experiences and many lessons, and the best way to have those lessons, to have them have great impact, is to, as you said, attach, come inside a human baby at birth and live a 3D human life. It's a grand experience. It's a big experience to have these kind of life lessons. It's the fastest way to learn. Comme ça? Okay. Yep, I'll translate that. Okay. Donc par comparaison, certaines âmes ou esprits, ou disons d'esprits, on va dire, décident en fait d'âmes décident de se réincarner de nombreuses fois afin d'accélérer le processus d'apprentissage de l'âme, d'après ce que je comprends, puisque c'est la manière la plus efficace d'apprendre rapidement, d'évoluer. Am I fine, correct? Oui, oui. And to summarize this topic, I'm here because I'm one of these people. I'm just like you guys. I'm an example of someone who, for whatever the reasons, I have needed to come to Earth, because my original soul essence, my spirit and soul essence, is not of this planet. My spirit and soul essence is from planet Dakota. And I needed to have human lives to learn, to experience, to grow. Some people do not, but I am one of them. Ok, donc Tolek nous dit que lui aussi est une âme, donc en tout cas la partie qui est de matière subtile et de haute fréquence vibrationnelle, son âme donc a lui aussi décidé de cette stratégie là de donc de se réincarner plusieurs fois, de vivre plusieurs vies pour apprendre plus vite sur Terre, puisque son âme ne vient pas de du moins cette galaxie, mais vient... Where did your soul originate, sorry? Right, right. We will wrap up this summary, but these are important points that most people don't understand. They don't know these things. The first time that I have memory experiences of living a human life were on the planet Dakota in the Pleiades. Ok, donc avant, en fait, mes premières expériences en tant qu'être incarné, pour ma part, donc Tolek, viennent de la planète d'à côté où son esprit, où son âme est vient, en fait, qui se trouve dans les Pléiades. Right, and the here in this star system, our sun is called Sol. In where I lived, the sun is called Tegera. Ah, ok. Et donc ici, dans ce système solaire, notre soleil est appelé Sol. Et alors que dans le système dans lequel son âme a été générée, le soleil s'appelait Taigeta. Right. And here is the final point to all of this information. Go ahead. Et voici vraiment la conclusion pour cette partie-là. Based on everything that I have learned. Okay. Ah, okay. Yeah. It's okay. D'après tout ce que j'ai pu vivre et apprendre. Right. All of us. Toutes les gens, toutes les peuples, sur la planète Earth, we are all from another star system. All of us. There are no, some are star people, some are not. No. We are all star people coming from another star system, another star world, to experience Earth life. Okay. C'est vraiment. Donc selon Tolek, nous sommes tous des êtres venant de systèmes stellaires solaires différents. Il n'existe pas vraiment de personnes qui viennent sur Terre. Nous sommes tous venus, nous avons tous transmigré en quelque sorte, vivre des expériences sur cette planète, nous incarner. Voilà. Ouais. It has been this way for many, many years. This is about to change. And we'll talk about this later.
Et ça a été comme ça pendant de nombreux millénaires, mais ce point-là va changer et nous allons parler dans la partie suivante. Tolek, pourriez-vous nous expliquer pour quelles raisons le commandant de la biosphère principale du Conseil d'Andromède vous a de nouveau contacté en septembre 2010? Je vous prie. Okay, so Tolek, could you please tell us why the commander of the Primary Andromedan Council Biosphere contacted you again in September 2010? There are a few reasons inherent in this answer, but the primary reason is to get me prepared to do all of this Tolek work. That's the best answer I can give. Ok, donc il existe plusieurs raisons, mais en fait la raison principale, c'était en quelque sorte pour me préparer à ce qui allait suivre. Tolek, à présent, je souhaiterais que nous évoquions ensemble un sujet important qui a fait couler beaucoup d'encre dans la presse et a suscité une certaine peur chez les gens. Oui, le but était d'instiller la peur. Je veux bien sûr parler du 21 décembre 2012. Tolek, qu'est-ce que les gens du Conseil d'Andromède vous ont dit à ce sujet? Que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Okay, Tolek, so now we would like to talk about the important issue which has generated considerable attention in the media and, well, let's say, awakened and awe, aroused people's fear. Very true. It was all about, the fear factor was pretty big in that. So I'm referring to 21st December of 2012. So could you explain to the people what this date was all about? And what did the people of the Andromedan Council told you regarding to that date or what happened at that date? Right. And I will... The answer is easy, and I will do my best to keep it brief. Okay. So, at the peak moment of December 21, 2012, and right now I'm just going to give the summary, I'll explain a little. The core of the Earth changed from a blue plasma energy source to a new, higher form of energy. And it's called SAR, S-A-R. Okay. That's what happened. D'accord. Donc, je vais essayer de résumer un petit peu ce qui s'est passé en fait au point culminant du 21 décembre 2012. L'énergie de la planète, du noyau terrestre, s'est transformée. Was this transformation in fourth density or in actual third density? Actual third density. Ouais. Okay. Donc en troisième densité, donc dans notre matérialité, le noyau de la Terre s'est transformé d'une was it from molten lava? Non, exactement. No molten lava. The scientists de la Terre, they theorize that the core of the Earth is rouge, red molten iron. No. Okay. So it isn't that. Donc les scientifiques de la Terre, en fait, Tolek nous dit que non, en fait, les théories sur la géodynamique sont basées sur un système où le noyau de la Terre est de la lave en fusion, enfin des métaux et un noyau lourd en fusion. Et ce n'est pas ça. Up until December 21, 2012, at least according to the astrophysicists of the Andromeda Council, the core of the Earth was blue plasma. D'accord. Donc selon les astrophysiciens qui appartenaient au Conseil d'Andromède, le cœur de la planète était constitué d'un plasma bleuté. Bleu. Oui. And comment dit-on, and étoile, out in space in the stars,
where this grand alignment was happening. At the peak of alignment, and there was some energy building up before then, but at the peak of the alignment, these highly energized, highly magnetized particles, protons and electrons, penetrated the crust of the Earth and changed the core. That's what happened. Okay, donc selon lui, je vais essayer d'être au plus proche possible de ces termes. Donc selon lui, cet alignement, durant cet alignement et avant cet alignement intersidéral qui a connu son point culminant le 21 décembre 2012, une vague de particules hautement chargées, des électrons, des protons, ont réussi à transformer le noyau de cette planète en une substance. A new energy source called SAR, S-A-R. Okay. Une nouvelle a transformé le noyau de cette planète en une nouvelle énergie, une essence énergétique appelée le SAR. Right. No longer 3D, but not quite 4D yet. Il s'agit d'une essence, de quelque chose qui n'est pas vraiment de troisième densité, mais quelque chose d'intermédiaire entre troisième et quatrième. Right. It's a completely new form of energy. Completely new. Une forme énergétique absolument nouvelle. You mean new in the whole universe, or is it something that yes, has yes. already happened? Yes, yes. Yeah, this is a good point. This transformation has happened many times before to stars that were going through a growth cycle. Stars, not planet. This is the first time this has happened to a planet. Comprends? Yeah. Frédéric nous dit que cette transformation s'est déjà produite de nombreuses fois, mais dans le cœur d'étoiles. Right. Mais que c'est vraiment la première fois que ça a lieu au sein d'une planète. And the my final summary for this topic is that, if you will, this is the first major physical transformation, the first major physical step of this world starting to become a fourth dimensional world. Now that will happen in January 2014, but this is the first major step toward that transformation. Okay, donc il s'agirait là vraiment de la première étape d'une transformation qui connaîtra son aboutissement le 1er janvier 2014, mais que c'est vraiment la première étape d'une transformation de cette planète en vers un astre de quatrième densité. Et je pense que, Christelle, tu avais peut-être un mot à ajouter. Oui. Justement, pour nos auditeurs, en fait, je vous invite tous, absolument tous, à visionner la magnifique vidéo, en fait, qui est extrêmement pédagogique, très pédagogique, que Tolek a réalisée et qui est diffusé depuis novembre 2012 sur sa chaîne YouTube. Qui explique ce processus en détail. Tolek, passons à présent à l'année 2013, une année de transition. De grands changements sont en cours et se poursuivront au cours de cette année. Et ces changements constituent un défi majeur pour l'humanité. Donc, je vous serais reconnaissante de bien vouloir nous dire ce que vous savez à propos du déroulement de cette année 2013. À quoi devons-nous nous attendre au cours de cette période? Que signifie tout ce processus? Pourquoi y a-t-il tant de séismes? Pourquoi tant de séismes se produisent actuellement dans le monde? Okay, so Tolek, we would be grateful if you could tell us what you know about. I mean, what you will expect would happen during the year 2013, and what this process is really all about, and why there are so many earthquakes happening at this time. Why is the climate changing so abruptly? Yeah.
This too is an important question, and I know that I've discussed this before, but I'm about to tell you why it's important. Ok, c'est une question donc que Drake a déjà, auquel il a déjà répondu avant, mais c'est une question importante, donc il va nous expliquer pourquoi. Ouais. Pas un exemple. The universe, the galaxies, les étoiles, the stars, and all the planets, they all have an evolutionary cycle. Alors, par exemple, l'univers, les galaxies, les étoiles et les planètes ont toutes un cycle d'évolution propre. The cycles may be different from one galaxy to another, one star to another, one planet to another, but they all have an evolutionary cycle. Même si les cycles varient en fait en longueur, que ce soit une planète, une étoile ou même une galaxie, elles sont toutes en évolution. Right. And the increase of earthquakes on this planet, the increase of the number of earthquakes, and the increase of the magnitude, the size of the earthquakes, these are just one expression of the beginning of the transformation, the physical transformation, and the higher dimensional transformation of this planet. Et donc les tremblements de terre et l'augmentation en force et en magnitude de ces tremblements de terre n'est que l'expression en fait de l'expression physique, en tout cas l'expression corporelle de cette planète qui est en train d'entamer une phase de transition et d'évolution. Right. Other expressions will be more volcanoes, whether sur la terre, whether on the earth or under the water. More volcanoes will start to go off. There will also be many other expressions of many other physical manifestations of change that people will see. That will continue to happen. These will continue. Okay. D'autres expressions, on va dire qui se manifestation de cette transformation, pardon, sont aussi l'augmentation du volcanisme sous la mer et sur terre. Yeah, and so to summarize, these are all manifestations, these are all physical expressions of the change happening to this planet, the evolutionary change. Et pour résumer, tout ceci sont des manifestations de l'évolution et du changement de cette planète. Oui, oui. Merci. Alors, explorons maintenant l'année 2014, l'année de la transformation. Sur votre site internet The Andromeda Council, il est mentionné, et d'ailleurs vous en avez parlé à maintes reprises au cours de vos interviews, que cette planète allait se transformer en janvier 2014, qu'elle va se transformer, devenir un monde de dimensions plus élevées pour atteindre un niveau intermédiaire de quatrième densité. Et donc, c'est l'avènement d'un nouveau cycle. Que pouvez-vous nous dire à propos de ce processus? Comment cela se produira-t-il et que va-t-il réellement se passer sur la Terre lorsque cette transformation se produira? Donc, merci de nous apporter quelques éclaircissements à ce sujet. Okay, so Tolik, on your website, the Andromeda Council website, sorry, you've yep. spoken many times in your interviews about the fact that this planet, Mother Earth, will transform in January 2014, that you'll transform into being a higher dimensional world, a mid-level fourth dimensional world. So it's the advent of a new cycle. So could you please tell us about this process? How will this happen, really? And what will happen to this planet, the Earth, when this transformation occurs? Right. Okay, je comprends. This question, for the most part, is about the planet and what will change on the planet. And I'll start to give you a description of what will change and what won't change. Ok, en fait, cette question porte surtout sur le fait de comment va
va se transformer cette planète et on va commencer par ça. Yeah. It is expected that in sometime early January 2014, everything organic on planet Earth will change. And I will explain. Il est prévu qu'en début de l'année 2014, autour de janvier, tout ce qui est organique, tout ce qui est physique dans ce monde va se transformer. Et c'est ce que je vais expliquer maintenant. So, these things, naturellement, the planet Terre, the hills, the mountains, the rivers, the streams, the oceans, the trees, the animals, the birds, the humans, all things organic will make the transformation from 3D to 4D. Comprends? Oui, alors tout ce qui est vivant, ce qui est vivant sur cette planète, les montagnes, les collines, les oiseaux, les arbres, le sol, tout ce qui est organique véritablement, les êtres humains et tous les animaux de cette planète, tout ce qui est organique va se transformer. Ouais, merci. The things that will not transform into a higher dimensional vibration, I will now list for you. Ok. Et maintenant, je vais vous lister tout ce qui ne se transformera pas lors de cette transition. Oui. All things synthetic, par exemple. Toute chose synthétique, par exemple, n'évolue pas. Highways, cars, buildings, trucks, boats, trains, planes, refrigerators, stereos, computers. Tu comprends? Yeah. Everything synthetic. Tout ce qui est inorganique, comme des autoroutes, des voies de chemin de fer, des avions, des avions, des voitures, des immeubles, tout cela ne se transformera pas. Right. Aussi, les shoes de femme, plastique. Go, bye bye. All gone. Aussi, bon, les talons hauts, les voilà, tous nos produits chers disparaîtront. Yeah, anything synthetic will, comment dit-on, dissipate. It will just break down and dissipate. Tout ce qui est synthétique s'évaporera, disparaîtra, se dissipera. Right. I could go on and list many other things, but I think you get the idea. Yeah. Oui, je peux continuer à donner des exemples, mais je pense que vous comprenez un petit peu où je m'en vais. Vous avez également déclaré que de nombreuses personnes de la planète Terre auront la possibilité de voir leur corps se transformer, de pénétrer dans la quatrième dimension et d'entamer une vie de fréquence vibratoire plus élevée. Qu'entendez-vous par là exactement? Yes, so Tolik, you've also said that many people of the planet Earth will have the opportunity to transform, change into 4D human life, to initiate a life of higher vibrational frequency. What do you mean by this, having the opportunity? Yeah, this is also an important question because it goes to the core of this issue about us being sovereign people on this planet. Ceci aussi est une question importante puisqu'elle touche vraiment au sujet clé. C'est-à-dire que nous avons, c'est un moyen pour nous d'exprimer notre libre arbitre pleinement en tant qu'être souverain. Oui, oui. Even though this planet is in fact transforming and is expected to become a higher dimensional world, janvier 2014. Mm-hmm. Ok, allez. Même si ce monde est appelé à changer en fait en janvier 2014 drastiquement. Right. It does not mean that every human person must change to become a fourth dimensional person. You have the right to choose what you want to do. That's exactly the point.
Cela ne signifie pas forcément que tous les êtres humains sur Terre choisiront ou voudront choisir de passer en quatrième densité et choisir de ne plus vivre une vie en troisième densité organique. Ouais. Merci. Tolek, pourriez-vous, je vous prie, expliquer à nos auditeurs, nous expliquer à tous ceux qui souhaitent élever leur propre vibration, à chaque personne ayant la volonté de devenir une personne de quatrième dimension, comment peuvent-ils faire? Quels conseils pouvez-vous nous donner? Okay, Tolik, could you please tell the listeners of France and all the French-speaking people, for those people who want to, with conscious intent, raise their own vibration. So for each of these persons who wants to become a fourth dimension person, what can they do? How can they do to foster a leap in consciousness? Okay. The best way to say this is that this answer has many answers to it, and I will do my best to address each part in its complete form. Alors, en fait, cette réponse implique une multitude de réponses, mais je vais essayer de répondre à chaque partie du mieux que je le peux. Okay. Numéro un. I would say to the people of France, which you're good at doing anyway, ouvrez votre cœur. Open your hearts. Ok, donc il dit, faites ce que vous faites mieux, vous les Français, ouvrez votre cœur. Ouais. C'est justement, Tolek, c'est très intéressant que vous abordiez ce point, puisque j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de polarité, l'amour et la peur. Est-ce que vous pourriez d'abord nous définir la peur? So this is very interesting, Tolik, says Christelle. She really wants to discuss about what is fear and what is love in essence. So could you start by describing what fear really is? I will go there, but in As order, an yeah. energy. In order for me to keep the Merci, Patrick. yeah, in order for me to keep the answers in the right context, I have to finish the piece about open your hearts. So Okay. Oh, I will do this. Yeah. okay. Yep. So please translate. Okay. Donc, en fait, pour répondre à cela, je dois d'abord passer par les différents points qu'on a énumérés, et le premier étant ouvrez votre cœur. Yeah, That was the first point. Yeah. and what Christelle touched on is important, but I have to, it's all relational, so one part at a time. Tu comprends? Alors, c'est ce que Christelle a dit. Oui. Okay. Comme tout est lié, en fait, il faut que j'essaie de prendre les choses dans l'ordre. So, encore, Pip de France, tous les gens, ouvrez vos cœurs, open your hearts. Number one, muy importante, open your hearts. That is the most important thing to do is start to open your hearts. Open your lives to people. Care about people. Do things for them because it's a good thing to do. And these are simple things. It is simply about love. Ok, donc, peuple de France, ouvrez votre cœur, ouvrez votre cœur et faites des choses, faites attention à votre prochain. Regardez ce qui peut lui faire plaisir. Prenez vraiment attention aux autres. Non, non, amour romantique. Non, non, non. Amour, love is a universal love. It's not about romance. It is about simply about being warm and being kind to people. Simply because this is a good way to live, and this is one vibration of love. Un exemple, but it's one vibration of love. Alors, tout simplement, là, on ne parle pas d'amourette ou du sentiment amoureux, mais on parle véritablement de quelque chose qui pourrait toucher à de l'amour universel, une expression, une vibration de ce que peut être l'amour universel. Et tout simplement, vivre en étant bienveillant et avenant vers une personne, être chaleureux,
En faisant cela, on exprime une facette ou une vibration de l'amour. Ouais. Un autre exemple pour le mot be kind, be willing to forgive people, be willing to accept forgiveness. These are also examples of love. Un autre exemple de l'amour, c'est soyez bon envers autrui. Soyez, pardonnez ces erreurs, pardonnez, soyez capable de l'accepter tel qu'il est et de pardonner ce que ces erreurs. Right. Comment dit-on? Be sincere when you are being grateful for someone else's help. This is also another example of the vibration of love. Soyez sincère aussi montrez de la gratitude pour une personne qui vous aide, mais soyez vraiment sincère dans cette émotion. Ceci aussi est une expression de l'amour. Oui, and all of these examples of love are also indicative, I don't know the right word, but indicative of fourth dimension vibration. These are all expressions of fourth dimension vibration. Et tous ces exemples en fait ne sont que des expressions, des indications d'un amour tel qu'il est vécu en quatrième densité. Okay. Now I will provide a few examples of non-loving behavior. Okay. Maintenant, je vais vous donner des exemples d'une attitude non aimante, au contraire. Being critical of people to the point of hurting their feelings. Critiquer une personne au point de la blesser. Wrong words, but here we go. beating people up, not physically, but emotionally, beating people up because the way they live doesn't meet the way you live. It doesn't meet your standards or expectations. It's not good to beat people up just because they're different than you. Tu comprends? Yeah? Blesser autrui pour leurs différences, les blesser parce qu'ils sont différents de nous et qu'ils ne vivent pas de la même façon que nous. Mm. Voilà. Je comprends. I understand that these are nuances, but the easy ones to understand are people that are mean, people that are hateful, people that are spiteful. That you know, it's easy to figure out that's negative. But the other stuff, it's more nuanced. And it's, again, that's all part of being kind to people, you know? So I will let you explain. Yeah. Tout simplement, en fait, être mauvais envers autrui, méprisant, condescendant ou tout simplement froid et distant, sont des expressions de cette expression de méchanceté en fait, ouais, qui sont tout le contraire de l'amour. Ouais, ouais. And therefore, people who are acting mean and hateful and spiteful, people that criticize people to the point of being hateful, these are all expressions of lower vibration, expressions of 3D vibration. Et tous ces exemples de personnes qui sont méchants, qui sont en colère, qui montrent de la haine, en fait une méchanceté haineuse envers une personne qui n'accepte pas ces différences, sont au contraire des expressions d'une troisième densité, on pourrait dire les passions. This is and I understand this. This is an additional explanation over and above 3D organic life. There we are talking about the physical person. Now we are talking about people's actions, people's intentions, how they treat other people. Mm-hmm. This is, yeah, tu comprends? Can you come yeah. again? Yeah, okay. Yeah, well, yeah, what I, it's okay. What I was saying is
all of these examples that I just described, you know, what is good, what is positive, what's kind, what is loving, and what I described as what is malheureux, what is bad, what is sick. These are examples that are not about physicality. They're examples of emotional vibrational frequency. All these examples, tous ces exemples donc d'attitudes mauvaises, pour résumer, ne sont pas juste des expressions de matériel physique, mais sont plus une sorte d'onde, des expressions vibratoires qui appartiennent à la troisième densité. Right. And so to bring some kind of summary to this topic, at least this part of this topic, if people truly want to transform, to participate in this experience of transformation, to become a fourth dimensional person in 2014, you will be wise if you want to, because again, this is about choice. You will be wise to become a more open, loving person. Voilà. Voilà. OK. Alors, juste pour résumer tout cela, afin de participer pleinement à cette transition qui aura lieu en 2014, cette transformation, il serait sage, je dis pas que c'est obligé parce que c'est du choix de chacun, de tout un chacun, mais il serait plus sage d'exprimer des sentiments apaisés, de gentillesse, de chaleur et d'acceptation de l'autre. Yeah. And aussi, les peuples, the people who are mean and hateful and spiteful, those ones, people would call this, un exemple, service to self. This is the same vibration as reptilians. Comme ça? Yeah. Okay. Et disons que les personnes qui montrent des attitudes négatives, disons de méchanceté, de haine, tout ce qu'on a, en fait, font montre d'une attitude qui adhère en quelque sorte à la fréquence vibrationnelle des reptiliens, the reptilians. Could you make a little? Yeah. What are the reptilians? Very quickly. Yeah. Qui passant, they are beings of low fourth dimensional vibration frequency, level one, level two, tu comprends? Mm. Yep. Yeah. And they are from four places, constellations, Draco, Hydra, Orion. Ok, donc là on parle quand Oleg se réfère aux reptiliens, il parle pas vraiment des reptiles sur Terre, même si il y a une référence au cerveau reptilien, mais il parle bien d'entités qui ne sont pas de cette planète et qui sont très négatives et qui elles proviennent des constellations d'Alpha Draconis. Draco. Ok. De Draco, d'Hydra, l'Hydre, oui. Et d'Orion. Oui. Et le système étoile Sirius B. Ainsi que du système stellaire Sirius B. Right. And a very long story short, these reptilians are part of what people know as the Illuminati. And the cabal. Alors, pour résumer très rapidement, ces créatures, enfin, ces êtres, sont les instigateurs de ce qu'on peut appeler les Illuminati, la cabale noire, la cabale secrète. And I only raise this issue because the human beings, the people that are mean and hateful and spiteful, comment dit-on, avarice, they service to self. This is the same vibrational frequency as reptilians, and the reptilians will not make the transformation. If a reptilian is on this planet in January 2014, they will dissipate and go away. All done. Okay.
Alors pour dire, si... I don't get the beginning, but assez simplement, toutes les personnes qui font montre de ces émotions négatives qui elles sont qui sont très proches des émotions des reptiliens, et ce qu'on appelle une attitude générale d'égoïsme en fait, l'attitude d'avarice, toutes ces émotions négatives qui sont en fait service à soi, c'est-à-dire de l'égoïsme, très simplement. Ces personnes-là, qui vont dans ces extrêmes-là, en 2014, arrivés à la transition, ils vont juste disparaître, comme ça. Ouais. The vibration of, and I'll just list two, the vibration of hate and anger, et la même chose de la reptilians, same thing. La vibration de la colère, de la haine est exactement la même fréquence vibratoire que celle des reptiliens. Oui, yeah, correctement. Oui. Yeah. Okay. So, the other part of this answer is most and I can wrap. I think I can give a good description and keep. Oh, that is fear. Yeah. Fear. Fear is not what people think it is. Yes, it is vibrational energy, but more important, plus important, fear also, like any other energy, it stays in the human body. It stays in the energy field. Ah, fear, the energy of fear from when you were 3, 5, 7, 9, 15, 22, whatever age, the energy of fear stays in the human energy field. Comprends? Okay. Yeah. Alors pour assez simplement, et ça me permet de rebondir sur le sujet de la peur. La peur est une fréquence vibratoire de même, et comme toutes ces autres toutes ces autres émotions négatives, ce sont des ondes vibratoires de basse fréquence. Et la peur, elle, a cette particularité qu'elle s'inscrit dans le champ vibratoire ou électromagnétique d'un être humain et peut être somatisé par la suite. Ouais. C'est un votre choisi. It is your choice. Okay. Not you guys, but to the public, the general public. If you want to become a fourth dimensional person, you must somehow choose to transmute and to release the fear that you carry in your energy field. Comprends? Merci. Très simplement, afin de d'effectuer cette transformation, il faut en quelque sorte trouver le moyen de transmuter, changer ou se débarrasser du sentiment de peur qui est matériel, qui est vraiment quelque chose de vibratoire et de concret, si l'on souhaite évoluer en quatrième densité. Right, because, par exemple, if you do not transmute, you could say release, but transmute is more accurate. If you do not transmute this fear will hold you back from doing many beautiful things in your life. The fear keeps people from loving. It's the best way I can say it. Tout simplement, la peur nous empêche d'aimer et nous empêche beaucoup de choses. La peur en soi est un sentiment qui va nous retenir en arrière et qui n'appartient pas en fait à la. Could you tell that again? Sure. And, yeah, and here are some examples. It's pretty complicated. Yeah. Fear. The energy of fear also prevents people from forgiveness. It prevents people from opening their hearts. There are other examples, but this is what happens. Fear keeps people from changing. Okay, la peur nous empêche de changer, de nous transformer tout simplement et d'évoluer. Yeah, and you can't, a person cannot expect to live in the frequency of love.
the middle of the fourth dimension, if you carry a bunch of fear energy in your energy field. Yeah? Et donc, comme ça? Yes. Et on peut pas véritablement vivre dans sur le plan de vibrationnel de la quatrième densité si on contient cette vibration de la peur. Yeah. And so and there, I guess, to bring closure to this part, there are many ways to transmute and release this fear. Fear to release anger. Part of fear is pain. These are all lower vibration frequencies. So release anger, release pain, open your heart. This is the path to 4D. Tu comprends? Mm. Oui? Yes. Et en fait, pour ce faire, il faut véritablement se débarrasser de la peur qui, la plupart du temps, est causée par la douleur. Et si on arrive à laisser partir, ouvrir son cœur, laisser partir la peur et la colère et la douleur, tout peut bien se passer. On peut. Faire le choix et rentrer en quatrième densité. Ouais. Did I get it right? Ouais. And there are, yeah, un moment. There are different ways to transmute this energy. Each person will find their own way to transmute it. But it is a key to evolving on the path of fourth dimension. Il existe plusieurs manières de transmuter cette peur, de la transformer, d'en faire quelque chose d'autre, mais chacun, tout un chacun doit essayer à sa manière et comme lui le sent dans son cœur, en fait. Tolek, avez-vous justement des recommandations spécifiques à faire pour élever nos vibrations? Yeah, so Tolek, do you have any specific recommendations to raise our vibration? Well, this is actually the last part. This is the last part of the multiple answer from the last question. So yes, I will explain it. Alors justement, c'est la dernière étape des réponses que Tolek devait nous donner précédemment. Donc, This planet we live on is considered to be a jewel in the universe. This is a beautiful, beautiful planet. Cette planète, en fait, est considérée comme étant le joyau de la galaxie. By whom? By the Andromedans. Oui, yes. The Andromedan Council. Yeah. Actually, and not only the Andromeda people of the Andromeda Council, but by many people who travel out in space. It's just it is considered to be by many people a very, very special planet. Cette planète est considérée comme étant le joyau de cette galaxie, vraiment une planète vraiment très spéciale pour tous les êtres, non pas juste du Conseil d'Andromède, mais aussi de beaucoup de races qui voyagent dans l'espace. Ouais. And at the beginning of the question, which started this whole discussion topic, we were talking about the frequency, the energy of what is positive, what is negative? Oui? Et au début de cette conversation, justement, nous parlions de la fréquence, de la positivité, de la négativité, justement. Well, un autre exemple, the energy, the frequency of nature, of the beautiful sky, of the rivers, the lakes, the streams, the hills, the birds. This frequency is the frequency of love. Also. Et justement, par exemple, la fréquence de la beauté de lacs, de montagnes, de collines, d'oiseaux, ouais, d'arbres, est justement une autre manifestation de cet amour. Ouais. So one of the ways that people can help to open their hearts is to go outside more, to experience the beauty and the nature, experience the beauty and the vibration frequency of love by going into nature. Et donc une autre façon pour les êtres humains de
d'être plus en phase et de avec cette fréquence vibrationnelle de l'amour, c'est de sortir dans la nature et tout simplement de communier et de se mettre en phase avec cette énergie. Oui. And I produced a video about this topic, and it is called A Way to Calm and Inner Peace. Et justement, j'ai produit une vidéo à ce sujet qui s'appelle Le chemin vers la paix intérieure. And people can find this video up on YouTube. They can watch it. Et les gens peuvent trouver cette vidéo sur YouTube. On your channel. On your YouTube. Yes. Tolek from Dakota YouTube channel. It's a short piece. I think it's all of 9 minutes long, but it shows how simple it is to get out into the beauty of nature and experience it. Et donc c'est une vidéo assez courte, que 9 minutes environ, qui se trouve sur la chaîne de Tolek, donc Tolek from Dakota sur YouTube, et qui explique comment en fait par la beauté de la nature on peut être apaisé. Oui, la nature est essentielle à l'homme, c'est une grande source d'énergie et d'enseignement. D'ailleurs, cela me fait penser à une citation de Victor Hugo que j'aime beaucoup, toujours dans les contemplations, et il dit ceci, il dit « Car les choses et l'être ont un grand dialogue, l'immensité s'écoute, tout parle, l'air qui passe, le brin d'herbe, la fleur, le germe, l'élément, vous imaginez-vous donc l'univers autrement ?» Tolek, pourriez-vous décrire à nos auditeurs en quoi ils seront différents, en quoi leur vie sera différente en tant qu'être de quatrième dimension? Tolek, could you address the listeners on how they will be different, how their lives will be different as 4D people? Ah, certainement, merci. We talked about this a little bit during our prior discussion about the Andromeda Council commander and how he explained how his 4D life is different, but I'll provide some additional information here. Nous avons déjà abordé ce sujet lorsque nous parlions du général que Tolek a connu lors de sa première escapade et comment lui décrivait sa vie, mais je vais un peu développer là-dessus. Okay. I'll take them in pieces, one at a time. Je vais essayer de prendre partie par partie. The first major difference is that from the fourth dimension higher, 4e, 5, 4, 5, 6, 7, these are all dimensions of spirit, of higher vibration. They are not organic. They are dimensions of spirit. Ok. À partir de la quatrième dimension et au-delà, il s'agit de dimensions dont la vibration est celle de l'esprit. And there are different names for it, but spirit, matter, life, or fine essence, matter, life, is based on crystalline molecules and cells. Ok. Puisqu'il ne s'agit pas d'une dimension organique, on peut parler dans cette dimension-là d'une existence de matière subtile qui est composée de cellules, d'énergie. You said cells. Right. The molecules. And the cell walls are, comment dit-on, they are translucent, crystal in nature, as crystal, cristal. Les membranes les membranes plasmiques des cellules, par exemple, sont cristallins, translucides. Right, and therefore, fourth dimensional humans, fifth dimension humans, their bodies are not organic; they are crystal based. Voilà, en fait, on trouve pas l'organicité, de la matière organique dans les corps de quatrième et de cinquième dimension, mais une nouvelle sorte de biochimie qui est basée sur à partir de cristaux. Crystals of, do you have any specifics on this, on the crystal composition? Yeah,
My mind is, I spent 30 years in the business world, so je n'ai pas scientifique. Okay, yeah, I'm just sorry. Not. But I can say that it is the molecules, at least in science, in biology, chemistry, molecules have certain structure to them. And the structure for crystals is completely different than the structure for organic life. It's the best way I can say it. And it's also a higher vibration, literally. Ce que Frédéric dit, c'est... Frédéric dit oui, non, mais moi, je viens d'un monde plutôt... enfin, je n'ai pas un parcours scientifique, donc ma meilleure façon d'expliquer cela, c'est que les structures cristallines qui composeraient donc ces corps en quatrième et cinquième dimension et au-dessus est beaucoup plus proche d'une structure de type cristaux de roche plutôt qu'une structure organique carbonée, on va dire. Right, and so as a result, higher dimensional humans, fourth dimension humans, will, for the most part, look the same, but the composition will no longer be organic. No ribs, no blood, no bones, no sinew, no tissue. Those are all organic things. All of those things will be gone. Okay. Bien que les corps en quatrième et cinquième dimension ressemblent beaucoup à nos corps en troisième dimension, ils ne sont pas composés des mêmes matières. On n'aura par exemple pas de d'eau, de cage thoracique, de sang, de tissu, tissu de muqueuse. Yeah, exactement. But yet, we will look the same. For the most part, in terms of when we look at each other, we will look the same with two exceptions. We will be much taller. On average, fourth dimensional men are 7.5 feet to 8 feet tall. Okay. On aura le même aspect. Une différence près, c'est que nous serons beaucoup plus grands. Alors pour les hommes, il s'agit de 7 à 8 pieds. I wouldn't know how to convert that in metric system. Like 190, 195. Okay. 190. Oui. 1m90, 2 mètres. Maybe more, peut-être plus. Yeah, that way. And the women would be 170 to 175. Et les femmes entre 170 centimètres et 175 centimètres environ. And rather than giving pounds, what I will say is this: because of the higher vibrational frequency and the crystalline structure of 4D life. Go ahead. Ah, okay. Plutôt que de donner des poids, je dirais ceci, du fait de la structure cristalline et la plus haute fréquence, on va dire quantique, j'ai envie de dire. There is far less mass, far less density in terms of, wrong word, but, and far less weight. We will weigh about 10% of our current body weight. At most. Ok. Dû à tout cela, nous pèserons, nous aurons beaucoup moins de masse, nous serons beaucoup moins denses et nous pèserons environ 10% de notre poids actuel. Oui, oui. As to the actual change itself, people have been asking, and this is a little different, but it's worth clarification. So, allez, merci. Ainsi, beaucoup de personnes m'ont posé cette question et j'aimerais faire une clarification ici. Yeah, people have been asking, well, you know, when will we ascend? Are some people ascending in 2013? Will it all happen in 2014? Here is the exact answer. Beaucoup de personnes m'ont posé cette question. Y a-t-il des personnes qui vont passer par le processus d'ascension en 2013 ou est-ce que c'est plus tard, en 2014, en même temps que tout le monde?
Et voici ma réponse. Oui, merci. Every time I have discussed this answer with the people of the Andromeda Council, the answer is the same. À chaque fois que j'ai discuté de cela avec les membres du Conseil d'Andromède, leur réponse a été invariable. The transformation of this planet and the life on this planet. Merci. La transformation de cette planète ainsi que la vie sur cette planète will happen in early January 2014. Aura lieu, comme on l'a déjà dit, en début janvier 2014. Not in stages, but all at once. There are the two phrases that people use: in the blink of an eye, as fast as the snap of your fingers. Mm. Boom. That's how fast it will happen. Et comme on dit, ça se passera pas en différentes étapes, ça se passera vraiment sur un claquement de doigts, très vite. Oui, oui. Now, will people's consciousness continue to rise through 2013? Oui. Et par contre, est-ce que notre conscience continuera d'augmenter, enfin d'évoluer, de s'ouvrir durant cette année 2013? Ma réponse est oui. But as to when the actual transformation of the planet and the people will take place, janvier 2014. Pour l'actuelle transformation, c'est bien janvier 2014. Mais je pensais que la vie en quatrième densité était plus longue. I felt life in fourth density or dimension was longer. What is it? Yes, that's a very good point, and thank you for the reminder. That is a very big difference between 3D and 4D, and I'll explain briefly. Ok, oui, c'est un très bon point souligné, et la vie en troisième densité est très différente de la vie en quatrième densité. Typically, as you know, people will die in old age at, 75 or 80, sometimes a little sooner, but one way or another, the organic human body dies, right? Yeah. De manière typique sur dans notre existence en troisième densité, nous vieillissons, notre corps vieillit à 70, 80, 85 ans en moyenne, ou on peut vivre d'une maladie ou d'un accident, et notre corps meurt. Right. And here is where higher dimension life is very, very different from 3D organic life. Et voilà, et c'est en ça que la vie en quatrième densité est très différente d'une existence organique. Right. Whether we are talking about 4D, 5D, 6D or higher. Que nous parlions de quatrième densité, cinquième ou au-delà. Life in these dimensions is very long, thousands of years. La vie dans ces densités supérieures est beaucoup plus longue. Oui, oui. And par exemple, someone may get to age 6,000 or 7,000 and say, you know, I believe that I have accomplished all that I wanted to in the fourth dimension. I've learned all that I've wanted to. You know, see, 7,250 years. I'm using an Earth term, and I'm ready. I'm ready to move on to the fifth dimension. Donc, admettons qu'une personne de quatrième densité qui a vécu une vie très longue, l'équivalent terrestre serait 7000 ans, et admettons que lui se dise, tiens, voilà, j'ai appris tout ce que je devais apprendre maintenant, et je suis prêt à passer à autre chose. And so, he or she will simply make the decision to move on, to leave a 4D vibration frequency and choose to bump up to the next vibrational frequency. There is no death. You just move on. You just begin a new life. That's the best, all right. That's why, yeah. Alors, cette personne-là qui, il ou elle, donc, qui aura décidé que son
son apprentissage est terminé, pourrait juste décider de passer à l'étape suivante, de sauter d'une fréquence vibratoire à une autre. Right. And my final comment about dimensional life, I'm pretty familiar with the work that people do in the fifth dimension, so I'll comment briefly. Et encore pour parler de vie, disons de vie spirituelle, je vais vous parler d'un exemple que j'ai d'une personne de cinquième densité. Voilà, je vais témoigner un petit peu de ce que je sais là-dessus. Oui, merci. People have often spoken about soul groups. On a souvent parlé de groupements d'âmes. At the mid-level of the fifth dimension is where people decide to work together. Six people, 10 people, 12 people. Let's say they want to go explore a planet and a certain species of deer. They can collectively do that as a group of people, go to this planet, explore, and come back home, wherever they live, and then go apart and do other things. Okay. This is one example of how fifth dimension life is different. Donc je peux reporter l'exemple de la cinquième densité. Admettons qu'en milieu de densité 5, les gens ont tendance à se regrouper, former des groupes de 6, 10, 12 personnes, et de travailler ensemble. Et ils peuvent, par exemple, décider de partir explorer une planète et découvrir une nouvelle espèce de renne. Et ils font cela, ils se déplacent ensemble, et ensuite ils reviennent d'où ils sont partis. Right, and the other aspect that I'm absolutely sure of is that in fifth dimension life, you can travel. Let's say you live on a certain world, you will not need a starship or a spaceship to travel from one world to another as a fifth dimension being. You can just join with 10 or 12 people, you bring your energies together, and off you go. You travel through space. No technology needed. That's the point. Okay. Et ce que je sais aussi, c'est que pour ce genre de voyage, des groupes de cinquième densité n'ont pas besoin de moyens de transport, de vaisseaux spatiaux ni de technologie, mais peuvent juste mettre en commun leur énergie et ça leur suffit pour effectuer ce voyage. Right. Et comment final on this point, we have seen evidence of these people here on Earth. Whenever there have been many people, I'm sure, who have seen little small blue balls of light sort of dancing over the surface of the earth, maybe 4 or 5 or 10 or 12 of them. Many times those energy balls or balls of light are in fact groups of people, fifth dimensional people working together. Et pour finir, je peux citer cet exemple. Il y a eu beaucoup de nombreux témoignages de personnes qui voient des orbes bleus flotter quelque part. Are those the same that we can see on photographs? Yes, oui, oui. Ok, ce sont les mêmes, ces mêmes orbes bleus que l'on peut voir des fois sur des photographies numériques. Il s'agit en fait d'orbes, disons, de manifestations d'êtres de cinquième densité qui viennent nous rendre visite sur Terre. Oui, exactement. Many, many, not always, but many, many times, these are in fact collections of souls who have come together to do certain work, and they're visiting Earth. Okay. Yeah. Pas tout le temps, mais dans la majorité des cas, ces orbes bleus sont donc des regroupements d'âmes de cinquième densité qui sont venus ici effectuer un travail et qui sont en visite sur Terre. Vous m'avez dit que certaines personnes, environ 50% de la population de la planète, feront le choix de devenir des êtres de quatrième dimension. Mais qu'en est-il des 50% restants? Que va-t-il leur arriver et quelle alternative leur restera-t-il? So you said some people, approximately 50% of the people of the planet Earth, would choose to become 40 people. But what about the 50% left? What will happen to them? What choices do they have? A very good question.
Actually, it's a really good question. There are some nuances to this answer. So again, I'll take it one piece at a time. C'est une très bonne question et justement j'ai des nouveaux éléments à apporter à ce sujet, donc on va prendre encore une fois partie par partie. Ok. Encore, this answer is about choisi. It is about choice. That's the most important thing to remember. Encore une fois, cette question est basée sur le libre arbitre et le choix de tout un chacun. Yeah. And there will be people who I have just come to learn from my Andromeda Council of contacts. There will be Earth people who will simply choose to remain three-dimensional. They will want to continue a 3D organic life. Je viens d'apprendre de mes contacts au sein du conseil d'Andromède que certaines personnes feront le choix de continuer à vivre en troisième dimension. And the subtlety, the nuance to this answer is the following. Et voici la subtilité que j'aimerais ajouter à cette réponse. Most of these people, though they will not know it consciously, this is deep in their subconscious. Bien que ces personnes ne sont pas conscientes, c'est un souhait qu'ils font inconsciemment. And also in their comment they call it, their soul record. Okay. Ainsi que dans leur comment on peut traduire ça? Ah oui. Leur mémoire, la mémoire de leur âme, de leur esprit. Okay. They need to experience more Earth type life lessons. They need more seasoning. They need more maturity in an organic body before they are ready to become 4D. They just need more. It's more education. Maybe that's the best way to say it. Okay. Alors ces personnes-là ont besoin de plus de temps et de vie à vivre sur une planète telle que celle-ci, la Terre. Et afin de maturer et d'engranger plus d'expérience avant d'être prêt pour faire le grand saut. Et un exemple, the planet Earth is a fantastic place to have many quick life lessons, very, very, very fast. It's one of the, from what I understand, it's one of the best planets in the universe to acquire many life lessons before becoming a fourth dimensional or a fifth dimension person. De ce qu'on m'a dit, par exemple, la Terre est une des planètes sur laquelle il est le plus aisé de vivre un très grand nombre d'expériences et de façon enchaînée très rapidement afin d'évoluer rapidement. And because in January 2014, Earth will no longer be a 3D planet, these people will need another planet to continue their 3D organic lives. Et puisqu'en janvier 2014, il n'y aura plus de planète en troisième densité sur laquelle continuer à vivre ces expériences et cette maturation, ils auront besoin d'un autre endroit pour continuer leur cycle. Okay. Now, for the sake of, upon an example, and a comparison, I want people to think of a round clock face. Okay, allez. Par comparaison, j'aimerais que nous fassions une analogie avec une montre, un cadran d'horloge. Oui. And that clock face represents the Milky Way galaxy. Ce cadran d'horloge représente notre galaxie, la Voie lactée. Oui. And planet Earth, this planet Earth with this solar system, it exists at around 7 o'clock on the clock face. The location. Yeah. Et donc la localisation de notre système solaire se trouve à peu près à 7 heures sur ce cadran. Oui, oui.
And there is a très belle, virgin, pristine, alternate 3D Earth-like planet at around 10 o'clock. Et environ 10 heures, excusez-moi, sur ce même cadran solaire, existe une planète entièrement vierge, très belle. Right, right. And the people of the Andromeda Council will make available two very large biospheres, ships, if you will, two very large ships to transport however many Earth people want to continue their 3D life onto this alternate Earth-like world. Et donc à un moment donné, le Conseil d'Andromède mettra à disposition de très grandes biosphères de spatiaux, donc afin d'escorter autant d'êtres humains qui l'ont choisi afin de vivre sur cette nouvelle planète. Right. And people can think of a biosphere as similar to Earth, but people live inside, and you would have the amenities of like a five-star resort, streams and hills and palm trees and water and grass and beautiful rooms. This is what the inside of the biospheres are like. Okay. On peut s'imaginer ces biosphères comme des planètes, mais en fait, les voyageurs, ces habitants habitent à l'intérieur et c'est comparable à un hôtel de 4-5 étoiles. Très confortable, de très grands espaces de détente et de récréation. Right, and they have lakes and streams, they have hills. They have very gentle animals. There's 26 floors on the Andromeda Council biosphere, and there are 15 parks. Well, that's how large these biospheres are. Okay. Et donc dans ces biosphères, on peut trouver des parcs, des collines, des étendues d'herbes, et juste par. Par comparaison, la biosphère principale du Conseil d'Andromède fait 26 étages et contient une quinzaine de parcs. Yeah, and they are so large they're easily able to handle transporting hundreds of millions of people, even billions. Hundreds of millions, okay. Yeah, yeah. Et ces biosphères sont tellement grandes qu'elles ont une capacité pour accueillir plus de 100 millions de personnes. Right. Wow, that is large. Yeah, it's huge. Now, what will make this experience quite different is that not only is planet Earth and this solar system going through this transformation in January 2014, allez. Il n'y a pas que la planète Terre qui passe par cette transformation au début janvier 2014. Right. But soon after us, there are also other three-dimensional worlds that have humanoid people on them. Okay. Après notre planète, plusieurs autres planètes, en fait, sur lesquels habitent des humanoïdes qui nous ressemblent à peu près, vont faire cette transition d'eux-mêmes. Oui, oui. And there are plans to pick up and transport people from at least two other planets, as well as the people from Earth. The Earth people will go first, they'll make a stop, pick up the people from the two other planets and keep going to this new alternate world. Okay. De même, cette biosphère est prévue de faire halte à au moins deux autres planètes sur lesquelles cette transition est prévue afin de récupérer des gens qui l'auront choisi sur ces deux planètes. And the people from these two other worlds are people would consider the human or humanoid, you know, arms, shoulders, legs. They look like us. They're taller. They have different hair color, different skin color, different eye color. And one of the races has
large, distinct markings on their bodies. It's just, I guess Earth people would call them birthmarks, but their markings are very distinct. Comme ça? Mm. Yeah. Alors, les habitants de ces deux planètes sont humanoïdes, qui ont une apparence physique très similaire à la nôtre, somme toute, seulement que leur taille varie, leur couleur de peau, leur couleur de cheveux, et une race en particulier sur l'une de ces planètes a de larges taches comparables à des taches de naissance sur tout leur corps. Right. So it will be a very interesting trip. It's going to take about 10 to 12 light years for these two biospheres to travel from Earth to the alternate world, and therefore the people will have an opportunity to get used to each other. That's the primary reason. Yeah. Alors, ce sera un voyage très intéressant puisque vu que la biosphère aura une distance à parcourir de 10 à 12 années-lumière, toutes ces races d'humanoïdes ensemble risquent de nous retrouvons dans une expérience inédite d'interaction avec ces différentes races et de cohabitation. Because, you know, just think, if we're only talking about the Earth people from France, Italy, Nigeria, Tangiers, United States, Mexico, so you have Earth people. Now you have to add people from two other planets. It will be important that the trip takes 10 to 12 years. It gives them time. Here, tu comprends? Cohabitation, okay. Yeah. Alors imaginez déjà que si nous mettons en commun beaucoup de personnes qui viennent de pays différents, ne serait-ce qu'ici sur Terre, de France, d'Allemagne, des États-Unis, du Japon, de partout, et qu'en plus de cela, nous ajoutons des êtres qui viennent d'autres planètes, et que nous obligeons tout le monde à cohabiter, l'expérience est vraiment intéressante. Cela dit, il va falloir pas mal de temps pour les habituer, et le voyage est assez long pour permettre cela. Oui, just think, all of those cultures, languages, ways of living, religions, they're all going to have to get along for 10 to 12 years. Should be an interesting trip. Imaginez que, comme si pendant 10-12 ans, tout ce brassage culturel est à... dans le même endroit, un brassage culturel fou et tous ces peuples devant trouver un moyen d'interagir ensemble, se mettre d'accord, 10 à 12 ans, c'est largement suffisant pour faire tout cela. Est-ce la première fois qu'une planète passe de la troisième à la quatrième dimension au sein de la galaxie ou dans l'univers? Is it the first time that a planet ever transforms from 3D to 4D within this galaxy or within the universe at large? This too is a good question. The answer is no and yes, and I will explain. Alors, cette question est pertinente aussi. On peut dire oui et non, mais je vais m'expliquer. Right. Is it the first time ever that a planet transforms from 3D to 4D? The answer is no. It is not the first time. Alors, est-ce la première fois qu'une planète passe de troisième dimension à quatrième dimension dans l'univers? Non, c'est pas la première fois. Par exemple, le planète Bacote transformed a few thousand years ago, 2-3 thousand years ago, from 3D to 4D. Par exemple, la planète Bacote a effectué cette transition il y a de ça quelques millénaires. Right, but for them it was a much slower process. Mais pour eux, la transition a été beaucoup plus longue. Right. This is the first time. Now here's the yes part of the answer. Okay. Allez. Alors voici la partie oui de cette réponse. Oui, merci. This is the first time that a whole planet and all of its life forms transform from 3D to 4D
all at once, in the blink of an eye, whatever your words you want to use, without people having to, like the normal death process. Okay. You know, the human body dies and the soul reincarnates somewhere else. This is not reincarnation. This is the whole planet, all life forms, all at once. Bang. Okay. Alors, c'est la première fois, ce qui est inédit, en fait, sur cette planète, c'est que la transition s'effectuera simultanément à la fois la planète et ses habitants, et tout ceci très rapidement, sur un claquement de doigts. I've got a question about this. It means that for some planets that have a slower process, like Dakota, or I don't really know, but do people have to go through a 3D death before reincarnating into a new state of planet, and which means that the two states coexist? Yes, that's if you want to ask the question in French, then I'll give you the answer. Yeah, okay, I'll do. Sure. Je pose la question en français. En fait, puisque est-ce que par exemple sur des planètes où le processus de transition de 3D à 4D est plus long, est-ce que Tolek parlait tout à l'heure du processus de réincarnation qui était nécessaire dans certains cas pour passer d'une troisième densité à une quatrième densité. Est-ce que ça a été le cas pour d'autres planètes comme je disais par exemple la planète d'à côté, qu'il faille petit à petit, graduellement, sur une planète qui a ces deux états, 3D, 4D, que ses habitants qui voulaient évoluer passaient par une mort physique avant d'accéder à cette quatrième dimension. Sorry, it was a little long. That's okay. Part of an example, I do know that on other planets, groups of people, not one or two, but groups of people have decided, okay, we're done here on this planet. I'm not even talking about Earth, but people may not understand this, but there are other Earth-like planets out there. Not exactly like Earth, but close enough that they live similar lives. And I'll explain some more. Ok. Il se trouve que, par exemple, m'a-t-on dit, sur certaines planètes, il y avait des regroupements d'âmes qui vivaient de la même façon, on va dire, que sur cette planète. Et it's okay. And they choose. Will they evolve in the? They just choose to leave, like a whole group of people. Actually, it happened once on Earth, if my memory is correct. The Anasazi, Native American people, just gone, disappeared, and they chose to leave the planet. Et que certaines personnes se regroupent, font des groupements d'âmes et arrivent à un point d'évolution, se mettent d'accord pour quitter la planète. Et ça a été le cas notamment des Indiens Anasazi, il me semble. Were they from Native Americans? Yes. But and this, you know, this is actually another good example to point out to the fact that people on Earth, and I know you can explain this in pieces, but people on Earth for the most part think they're from Earth, and the answer is no. Yeah, you touched on that. Yeah, but it's worth repeating. Ok, et je souhaiterais faire une précision ici. Les êtres sur Terre ont l'impression qu'ils viennent d'ici, qu'ils sont nés sur Terre et qu'ils viennent de la Terre. Yeah, the Earth human physical body may be from Earth, but based on everything I know, everything I've learned, the spirit essence inside each person, we are all from another planet. And all from higher dimensions, maybe fourth, maybe fifth, maybe sixth. But so people, in essence, choose to go home for the most part. That's what they've done in groups, in large groups of people. They just leave. You mean people that have, sorry, I'll just translate, then I ask go ahead. The question. Yeah. Il se trouve que nous tous qui pensons venir de Terre, notre corps physique,
a bien été généré sur cette planète, notre corps organique, mais que notre âme vient de n'importe où ailleurs dans l'univers, peut-être de quatrième, cinquième ou sixième densité, mais ne vient pas de cette planète. Parce que la raison, the reason that people come here is to have, to get a quick education. You know, you live sometimes 60 years, sometimes 92 years, sometimes 31 years, sometimes 17. You know, people live all sorts of lives, but they can get really quick educations here. The whole point is, there have been other occasions, both on planet Earth, other places, that groups of people choose to leave as a group all at once, and they all leave. This time, the whole planet is changing all at once in one shot. Bang. Okay. Donc, il se trouve que dans certains cas, ces regroupements d'âmes, qui ont eu des âmes qui ont décidé que leur expérience était terminée et sont parties d'un coup. Pourquoi est-ce que toutes ces âmes qui viennent de partout ailleurs que de la Terre viennent apprendre ici il y a beaucoup de vie? Parce que le processus d'apprentissage est tellement rapide, que l'on vive 17 ans, 70 ans, 15 ans, 30 ans, les vies sur Terre sont très courtes et il est possible d'en vivre beaucoup et entraîner son âme, son esprit. Right. Yes. And my final point is that it is the whole planet, the life forms, it is a true transformation because people are not dying, they are transforming. The human body will not die in January 2014. It'll transfer from slower vibration 3D organic to higher vibration 4D crystalline. Comprends? Okay. Alors le ce qui est nouveau, c'est que contrairement à l'exemple des groupes d'âmes qui décidaient de partir ensemble et se réincarner ailleurs, c'est la première fois dans l'univers apparemment qu'une transition, que toutes les personnes d'une planète sur une planète peuvent vivre en même temps, simultanément, cette transformation. Et le corps organique ne mourra pas. Et il va se transmuter, se transformer. D'ici la fin de ce processus, devons-nous nous attendre à recevoir une aide émanant de dimensions supérieures, telles que les peuples membres du Conseil d'Andromède, ou devons-nous trouver par nous-mêmes notre propre voie? En fait, la vraie question est-ce que l'humanité a une boussole pour s'orienter seule dans la bonne direction? So, like, shall we expect to receive any help from the higher dimensions, such as the people of the Andromedan Council, until this whole process ends, or do we have to find our way along by ourselves? The real issue is, does humanity have a compass to guide itself towards the good direction? Ah, okay. This is definitely a two-part question, so I will answer the question about help first. Ok, c'est une question en deux parties, clairement. Donc, je vais d'abord répondre par l'aspect aide. Ok. The people of the Andromeda Council, the combined membership, they live higher dimensional lives, so they have access to amazing technology we do not have. That's the first answer. La congrégation du Conseil d'Andromède et ses membres possèdent tous une technologie qui est très avancée et dont nous ne disposons pas. And because of this technology, they have already been able to slow the rate of change on this planet. Okay. Merci. Et grâce à cette technologie, donc, ils ont réussi à réduire atténuer les changements qui ont lieu sur cette planète. Right, so it would be less difficile, just a smoother transition. Okay. It will still be somewhat difficult, but they've slowed it so it will be smoother. Okay. Donc, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est lisser ces changements et les rendre plus progressifs pour que nous les vivions mieux. Yeah. In terms of the second question that is inherent to this question, this is
This question, to answer it, could almost take a panel discussion of 6 or 8 hours on its own. So I'll do my best. Ok. Pour répondre à la seconde partie concernant donc la seconde partie, nous allons voir, pourrait donner lieu à une discussion de 6 heures, je vais essayer de synthétiser au mieux. And I'm saying this because there are so many different perspectives on this topic alone. Je dis cela parce que c'est une question tellement multiforme et qu'elle englobe tellement d'aspects. But what I have learned from the people of the Andromeda Council is that, as I've mentioned before, each universe, each galaxy, each star system, each planet, each of them have their own distinct evolutionary cycle. Mais ce que j'ai appris par les membres du Conseil d'Andromède, c'est que chaque univers, chaque galaxie, chaque système solaire, chaque planète avait son propre cycle d'évolution. Right, and it is this moment of the long epoch of this solar system and of Earth. It is, I hate to use the word time, but it is this time. In the planet's life for it to transform from 3D organic into 4D higher dimensional January 2014. Et c'est donc dans les annales ou dans l'épître de la grande histoire galactique de ce système solaire qui a lieu maintenant, et je n'aime pas utiliser le mot maintenant ou quelque chose qui a rapport avec le temps, c'est maintenant que les choses vont se passer. But this is my belief. I believe that yes, there is consistent change with people having greater awareness, greater consciousness, but that is not causing the transformation of this planet. The transformation of this planet is happening because it's time that it happened. It's this time. I wish I had a better answer, but this is based on everything I've learned. This is the time that this planet is supposed to transform. Okay. Et malgré tout ce que j'ai pu entendre, malgré tout ce que j'ai pu entendre sur le fait que cette transition soit due à un grand nombre de personnes dont les consciences allaient évoluer et s'éveiller, ce n'est pas le facteur décisif de la transition de cette planète. Cette planète et ce changement aura lieu parce que c'est maintenant qu'elle doit avoir lieu. Yeah, kind of like as an example, when a woman is in her early years, 12, 13. You can't stop that young girl from turning into a woman. This, the same thing here. This planet is about to birth herself into a higher vibration. It is the destiny of this planet to do that. It's the best expression I can provide. Tout comme on ne peut pas altérer l'évolution d'une jeune fille de 10-12 ans par la puberté dans son cycle de transformation pour devenir une femme, on ne peut pas altérer l'évolution naturelle de cette planète dans cette transition telle qu'elle doit arriver. Eh bien, comme annoncé en début de programme, voici le moment tant attendu. Nous allons vous lire le message de Tania Piquet, vice-présidente du Conseil d'Andromède, un message transmis voilà quelques heures par Tolek. Ce message qui vous est destiné est porteur d'un très bel espoir. Je vous laisse le découvrir dès à présent. À l'attention du peuple de France, je suis la vice-présidente Tania du Conseil d'Andromède. Je suis honorée de m'adresser au peuple de France, de la planète Terre. C'est pour moi un privilège d'adresser cette salutation officielle au peuple de France et à toutes les personnes de culture, d'origine et de langue française au sein de votre monde. Nous, les membres du Conseil d'Andromède, reconnaissons officiellement Tolek comme notre représentant sur la Terre et l'aide généreuse de Christelle Itouria, une femme courageuse de votre pays, la France.
Beaucoup de nos membres venant de différents systèmes stellaires installés à bord du vaisseau du Conseil d'Andromède, la biosphère principale, ont bénévolement consacré leur propre vie à améliorer la vie des peuples de la Terre. Nous avons de nombreux sous-comités au sein du Conseil d'Andromède qui œuvrent pour atteindre les nombreux objectifs consistant à aider les habitants de la Terre. Peuple de France, moi, la vice-présidente Tania, m'exprimant au nom du président d'Accra, vous adresse son message de bienveillance et de paix. Il est reconnaissant de l'aide apportée par les différents systèmes stellaires et leurs planètes qui sont prêts à engager leur peuple pour vous aider. Le président d'Accra a dit qu'il aime la Terre, ainsi que tous les mondes ayant besoin d'une assistance toute particulière et supplémentaire pour libérer ces mondes de ces êtres qui tentent de semer le chaos, l'esclavage et d'imposer leur contrôle sur les populations de ces mondes, y compris la Terre. Le président d'Accra, notre Fédération Galactique et le Conseil d'Andromède feront tout ce que nous jugeons nécessaire pour vous aider dans le respect des lois universelles et spirituelles. Sachez que les termes, le dessein et l'orientation de nos lois reposent sur le maintien de la liberté, l'égalité et la souveraineté de tous les peuples dans leur monde respectif. Un jour, votre monde aura l'opportunité de faire partie de cette grande fraternité réunissant systèmes stellaires et planètes. Le président d'Accra a déclaré « Nous, les membres du Conseil d'Andromède, reconnaissons par la présente l'existence et le droit du peuple de France. Nous honorons, respectons et tendons nos mains au peuple de France en cette période où vous en avez le plus besoin, ainsi qu'à tous les peuples de la Terre. Nous, les membres du Conseil d'Andromède, exprimons notre humble gratitude au peuple de France, recevant notre message de paix et de fraternité afin d'atteindre l'objectif commun, d'unir tous les peuples de la Terre en un peuple libre, égalitaire et souverain. Nous, les membres du Conseil d'Andromède, vous envoyons notre amour et notre assistance dans la paix. Je vous remercie. » Je suis la vice-présidente Tania. Pour conclure, sachez que je tiens moi aussi à exprimer mon plus profond honneur et tout mon respect au peuple de France, de la planète Terre. Je suis impatiente de rencontrer le peuple de France dans un avenir proche. Sachez, je vous prie, que nous tous, nous nous soucions beaucoup de votre planète, que la liberté de votre peuple est notre priorité et au centre de toute notre attention. Je termine cette transmission dans la paix. Après cette magnifique leçon d'humanisme qui nous est donnée, Tolek, souhaitez-vous dire quelques mots pour conclure ce programme? After this magnificent lesson of humanism, do you have any last words, Tolek? Oui, merci. Christelle, programme directeur de En entendant l'air doré. Et vous, Rémi? Les peuples des États-Unis et le peuple de France ont toujours eu des bons relations. Merci beaucoup. Merci pour cette occasion. À part le peuple de France et à tous les peuples francophones à travers le monde. Vive la France! Vive la liberté pour toutes les personnes de la Terre! Tolek, un immense merci pour ces quelques paroles extrêmement touchantes et surtout un grand merci pour cet agréable moment. Ce fut un réel plaisir. Merci pour ces informations que vous avez partagées avec nous. Vous avez été un invité formidable et généreux. Vous avez un grand cœur. Thank you very much, Tolly, for these very moving words. Thank you also for the delicious time we spent together. It was a real pleasure, so thank you also. And once again for the information you shared with us. You've been a very generous, warm and kind-hearted guest. Merci, Tolly. Christelle, Remy, je vous en prie, un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Tolek, et puis pour nous ce fut un honneur. Tolek, je vais quand même rappeler à nos auditeurs qui souhaitent avoir de plus amples informations sur le Conseil d'Andromède
Qu'ils peuvent se rendre à l'adresse suivante www.andromedaconcile.com. Sachez que vous avez la possibilité de parcourir ce site en langue française. Vous trouverez l'option sur la page d'accueil. Rémi, maintenant c'est Rémi, je tenais vraiment à vous remercier très chaleureusement. Et surtout, un grand bravo. Vous avez été absolument remarquable, je dirais même exceptionnel dans la conduite de cette interview. Donc, ce fut un vrai plaisir. Alors, merci Christelle. J'en appelle vraiment à la clémence des auditeurs français et francophones, parce qu'il faut le dire, francophones, il n'y a pas que les Français qui parlent français, donc vraiment à toutes les personnes de langue française qui écouteront cette interview, excusez-moi pour les petites erreurs de traduction et les faux amis, comme par exemple vibrationnel qui n'existe pas mais qui est plutôt vibratoire, je viens de m'en rendre compte en fait. Voilà, mais en tout cas merci pour votre écoute et voilà, je vous laisse conclure, Christelle. Moi aussi. Ok. Ok, bonsoir mes amis, bonsoir. Bonsoir à vous, et puis bonsoir. Je vais m'adresser maintenant à nos auditeurs, à vous chers auditeurs qui nous avez suivis. Ces derniers mots vous sont dédiés. Et encore, merci beaucoup. Merci. Ah, je vous en prie. Merci. Suivez toujours la voix de votre cœur et de vos rêves. Ayez pour quête l'harmonie. Allez toujours vers le beau. Merci de votre attention.